Bonsoir à tous! Voilà, 2 jours d'absence, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est magnifique. Bonsoir à tous, bienvenue au rendez-vous habituel, 20h minuit sauf les 2 jours précédents, la canicule, où mon ordinateur et moi-même avons eu beaucoup, beaucoup chaud. Encore a subi, mon PC a subi, pour ça que je n'étais pas présent. Bonjour tout le monde! Bienvenue au Belgique, bienvenue Suisse, bienvenue France, bienvenue à tous. Merci aux derniers abonnés Adrien Stream, merci à toi d'avoir abonné, d'avoir refollow la chaîne après ton départ. Merci beaucoup. Merci aux donateurs, merci aux anciens donateurs, merci aux gifteurs de la chaîne, merci aux fidèles d'être fidèles. Voilà, merci à tous. Voilà, ça fait super plaisir. Bon, dimanche soir avec Springfellow. Qu'est-ce qui va nous attendre? Bah, je sais pas. C'est dimanche soir. Les gens sont en vacances. Les gens sont peut-être pas là. On verra ça dans la soirée. Donc voilà. Bon, allez. C'est parti. Place au live. Comme d'habitude, faites vibrer le chat. Faites-vous plaisir. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et qui regardent la chaîne. Et pour les autres, bah, bon jeu. C'est parti pour Dédé. C'est parti pour tout niquer. Pas mal ça. C'est parti pour Dédé, c'est parti pour tout niquer. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, je le garde. Je le garde. Allez, je le garde. Monitoring, on s'en bat les couilles. Hop. Bon. Personne, là? Allons. To break free. Alors, plus de radio. Alors, on m'avait dit que vous entendiez mal les voix des joueurs. Donc, on va régler ça, vu qu'on n'est pas très nombreux ce soir. On va faire quelques petits réglages. Ça peut être sympatoche. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour, YouTube. Bonjour, bonjour, YouTube. N'oubliez pas le petit pouce qui fait toujours plaisir. Le dernier sub YouTube, Monsieur Mister 3R, merci à toi. C'est vrai que j'ai tendance à oublier YouTube quand même. Mais bon, c'est pas moi qui décide, hein, c'est YouTube qui décide beaucoup. Ouais, bah écoute, ça va aller, de toute façon on va mourir. Hop. Salut Pecno, ça va ou quoi? Hop là. Hop, hop. Hop, hop. Hop là, hop là, c'est bon. C'est bon, j'ai normalement, oui. Yo, FireS, comment on dit, va mon petit FireS, toujours fidèle, toujours présent. Le plus grand stream hack du monde, c'est FireS. Grâce à lui qu'on fait pas d'action. Gucure. C'est vrai, toujours lui qui se limaque. Yo, Nec. Comment il va, mon petit Nec? Bah, il va bien. Il est dans la voiture, mais faut pas le dire. Putain, Nec, t'as des putains d'icônes, toi. T'as le diamant, t'as le casque spa, le cadeau, il a tout. Là, tu vois, la couronne d'or. Une paire de boucles, hein. C'est vrai que le son du jeu, on l'entend pas très bien, en fait. Raconte, raconte. Ah. Ouais, bah garde-toi, garde-toi. Garde-toi, fiston. Oula. Ah. Oh là là. Mais vas-y, écrase tout le monde, toi. Oh là 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 là. Oh, il y a un pistolet en plus. Moi, je sors pas. Moi, je sors pas. Toi, t'es dangereux comme mec. Oh là, tu me fais peur, mec. Ah, ça dépend. T'as du saucisson à couper ou pas? T'as du sauce à couper ou pas? Ah, merde. Bon, attends, je reviens. Hop.
La jante. Ouais. Aïe aïe aïe. Non, je vais l'aider quand même, on va être gentil. Ah bah là, il faut changer toute la roue. Hein. Là, moi je change le trou, ça va changer les deux roues. C'est la magie. Madame. Vous faites par là, monsieur ? On se balade. Ah, messieurs. On se balade. Balade. Allez vers Attirant là. Des bandits ? Ouais ? Des bandits ? Ah non. Ouais, ouais. Bon, allez, les plus grands bandits de l'île. Waouh. Et toi, t'es quoi, toi ? Je suis rien du tout. Ah. Ah, c'est triste. Bah, ça aide des fois d'être le plus grand de rien du tout. Eh ouais. Oula, y'a un monsieur arme au-dessus de moi. T'as mon petit rien, comment il va, le plus beau des viewers. Oh, aïe. Merci, monsieur. De rien, je te coupe rondelle, moi. Aïe. Non, je déconne. Bah tiens, en parlant des Albertinos. Ouais, du... Ah bah oui, du... Voilà. Ils m'ont pris Alberti. Oh merde. Ah bah oui, effectivement, tu peux le dire. Et t'es... Bah du coup, ils m'ont baladé. Ok. Jusqu'à me déposer à un endroit. Ah ouais. Puis, quand ils m'ont déposé, ils m'ont posé une série de questions. Est-ce qu'ils t'ont fait l'amour tout nu? Non, mes parents ne t'ont pas parlé de toi du coup. Oh merde. De moi? Oui, enfin, ils veulent des informations sur toi. Évidemment que je n'ai pas donné. Hein. J'ai dit, chef de Serac, connais pas. Bah ouais, pas moi. Connais pas. Hein. Bah déjà, c'est pas moi. Ouais, mais même, il faudrait dire, connais pas. Et après, ouais, du coup, j'ai passé une série de questions. Ils m'ont même demandé le nom du général, tu sais, que tout le monde a. J'ai dit, Hans Copperfield, il m'a foutu 5 balles de Deagle et après, il m'a relâché. Et j'ai réussi à survivre. 5 balles de Deagle? Ouais. Mais du 12-7, hein, j'ai réussi à survivre. Mais Boob, c'est pas moi qui décide, mon carrière. En gros, le casquette, il s'est fait PO aussi. Ah ouais. Et Rico aussi. Et ils ont PO deux fois Rico. Non. Et ils se sont crashés, je sais quoi. Quand Rico est monté dans l'hélico, j'ai cru qu'il se crashait. Il est ah merde. Ils sont cons, quoi. Ouais, casquette, de toute façon, ils l'ont pas eu. Parce que c'était. Il y a eu un. Un problème, tu vois. Ils ont fait ça de manière vraiment pourrie. Et hier soir, ce qui était marrant, c'est que Rico s'est fait prendre en otage, mais leur pilote, il pissait le sang aux Albertino. Ouais. L'hélico, il se donne à 300 mètres de nous, alors qu'ils étaient dans un coin paumé. Il y a tous les hélicoptères des Albertino qui atterrissent parce qu'ils pensaient pas qu'on était là, en fait. On les a tous down. Ils ont pas compris parce qu'ils étaient tous sans armes en fait. Ils leurs collègues en fait, tous les armes dans les L4. Du coup, bah, ils sont tous tombés. Ah bah voilà. Voilà, ça c'est fait quoi. C'est quoi vous? Mais c'est moi qui ai mis les bas de DG. Non. On est pas con. De DG. DGL. Ah bah voilà. Aïe. Voilà, les petits boobs de Ryan sont arrivés. Merci mon petit Ryan. Merci de ton soutien. Enfin, je me demande si c'est pour le soutien ou si c'est pour voir les boobs en fait. C'est une partie des deux à mon avis. Ouais, je pense. Ouais. Mais je vais changer de temps en temps les boobs quand même. Faut pas qu'ils soient toujours les mêmes. Non, remarque, c'est les plus beaux. Les deux morts là, tu m'étonnes. Hein? On est mort de ceux-là. Tu sais que je peux les changer en direct. Hein. En direct, je peux les changer. Voilà. Sans couper le jeu. C'est ça, c'est beau. Ah oui, et du coup aussi, j'ai oublié de te le dire, mais du coup, les Albertino, ils veulent la mort de casquette. Absolument. Ah! Pourquoi lui, je ne sais pas. Pourquoi casquette? Ils veulent casquette. Bon, ils veulent une casquette. Toi qui veux le casquette. Tu connais quoi de Facebook? Tu connais que ta Facebook maintenant? Ah vache.
Comme ça, je vais créer un Facebook. Oh la vache. Ça rigole pas. Casquette, bah écoute, toi que c'est casquette qui veut, moi ça me dérange pas. Non, ça se dit pas. Le pauvre. Ça coupe pas le jeu là ? Ah bah non, nickel. J'ai fait des réglages, hein. J'ai eu le temps pendant deux jours. Hein. Subscribe, mais c'est pas fait. Hop. Oh, follower tips. Tips, variations. Bah, si j'en ai des variations là. Eh ben, on va les descendre là. Variation type 50%. Et là, on va les mettre à 25%. Voilà. 25%. Ah ouais, plus qu'un monde 5. Ah ouais. On va faire 1. Et là, ah bah ils sont montés à 5. 1. C'est... Voilà. Là, on va mettre ça. Il me manque 1. Ah ouais, d'accord. J'ai compris. Ouais. Ils ont une jolie voiture. C'est pas mal. Cassé. Soumet. Save. Voilà. Save. Ouais, bien. Et voilà. Vous allez bonsoir. Bonsoir. Belle voiture. Pour ce qu'il en reste. Ouais. Dommage que c'est le lampadaire. Au moins, elle est au courant. J'étais pas au courant qu'elle était aussi merdique. Alors, attendez, je vais essayer de couper le truc. Ah bah non, ça marche pas. C'est dommage. J'aurais bien voulu faire, hein. Mais je peux pas. Ouais, c'est la sécurité civile. Bah ouais, du coup, hein. Bon allez. Bonne journée. À plus, les jumeaux. Merde, quel con, je me trompe. Oh, c'est quoi ça? Il m'en fout, lui. Il est baisé, lui. Il m'a fait peur. Il malade, un peu. Bah, laissez-moi rentrer, merde. T-Lates. Bon, du coup, j'ai changé les boots. Là, il y a des accidents de circulation. Hein. Bah, non, parce que vu que... bah quoi, bah t'as... Bah non, mon petit Adrien, vu que t'as quitté Discord, ça enlève les grades. Hein. Dès que tu parles de Discord, ça enlève tous les grades. Bon, là, tiens, maître. Je crois qu'il nous a insulté, lui. Qui ça? Le mec, là. Il a quoi en plus? Il y a un mec armé là. Bah oui. Arme chat. Quoi? Ils ont cru que c'était un bras de riche. Oh, bonsoir! Et comment ça va là? Bonsoir. Ça va bien ou quoi? Ça va bien et toi? Ah oh, bah tranquille. Oh là, t'as ramené ton fusil à pompe et tout là? Ah oui, dans le monde. Eh monsieur, quand c'est mort. Hein. Quand on double, viens, de Alexei. Manière prudente. On s'arrache. Bonjour monsieur. Mais fiston. Ouais. Mais t'es dangereux avec ton fusil à pompe toi. Ah mais de rien. Ah, non, ils ont deux fusils à pompe. Il est pas. Oh la vache. C'est des cartouches qui sont pas létales. Alors par contre quand vous savez. Ils sont pas quoi Ils sont pas létales. Quand on attend que vous soignez. C'est moi que tu traites de pédale. Ah merde, fallait pas me lever. C'est bien de pas partir. Mais t'arrêtes de me traiter de pédale toi. Hein? Ouais, tu m'as traité de pédale, tu m'as dit fais gaffe parce que mon fusil à pompe, il est une vraie pédale. Mais vous êtes pas mon fusil à pompe et j'ai pas dit pédale. Oui. Je t'ai jamais dit de me pomper. Je t'ai dit je ne suis pas une pédale. Ah, mais c'est bizarre toi. Ils sont en train de me dire, ils sont en train de dire que mon fusil à pompe c'est une pédale, que il est, il fume, je sais pas quoi. Ouais. Bah ouais. Il est chelou lui. Pourquoi tu dis ça toi là-bas? Tu m'as dit tu vas me pomper et tu ressembles à une pédale. C'est ça que tu m'as dit? C'est bon, tu peux la voir. Non, j'ai pas dit ça. Mais t'as dit quoi alors? Bon, allez, hop, on s'en va parce que là j'ai pas envie d'avoir. Ah, en plus, vous avez écrasé le monsieur qui vous a. Ah ouais! À la prochaine, mais. Ah! Ah! Il m'a roulé dessus! Oh purée! Mais revenez! Est-ce qu'on montrera le métal de son collègue? Non. Hein? Le mec, à la rigueur, il y en a qu'un par veille. Son collègue, il dit quoi? Oh non, c'est Sira! Ah bon? T'as pas entendu?
Non. Ah, oui. Mec en rose. Il a dit casse-toi, ce Sira. Ah bon, j'ai pas entendu. Ouais, c'est pour ça que je dis, mais les mecs devant. Les mecs sont sérieux à faire du métal là ou quoi? Hitler. Bah, je vais faire de l'écran. Bah, tiens, il y a les flics en plus. Et donc. Hitler de convoquer une fois. Attends, il doit remonter. Alors, ils vont les perdre. Ils les perdent, par contre, c'est grave. Hein. Bah écoute, ils arrivent à perdre un camion en étant trois dessus, donc. C'est faux, c'est pas faux plutôt. C'est grave. Ah, voilà. Donc, premier véhicule, vous contrôlez le camion rose. Deuxième véhicule, vous contrôlez le camion violet. Voilà, désolé du son. Mais c'est fait, mon petit Ryan. T'as plein de boobs maintenant. T'as trois paires de boobs différents. Si y'avait des fusils à pompe, les deux. On parle en quoi, en longue, là ? En courte ? Ils sont en courte, ouais. Là. Ok. A new follower. Ludumba Daga, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne, mon petit père. T'as le Discord aussi pour avoir les notifications du début de mes lives et des vidéos mises en ligne sur ma chaîne YouTube. Merci à toi et bienvenue dans la communauté. La plus belle Altis. Oh, c'est beau ça aussi. Je vais le garder ça. Je vais noter sur un petit calepin. Ah ouais. Ça fait beaucoup de calepins quand même. Ouais, il fait genre qu'il est en intervention, je suis sûr il va tourner au CSP, tu vois. Attends. Tout ça pour boire un café. Il fait le café va refroidir, non? Attention. Et est-ce qu'il va tourner? Ben oui. Oh là 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 là. Bravo. Attends. La sécu. Hein. Non, vas-y. Là, vraiment. Homme armé, c'est pour nous ça. Ah, oui. Homme armé, Akira. Allez. Ah, c'est dommage, j'avais envie de lui dire est-ce qu'il pouvait pas me faire un café aussi par l'occasion, vu qu'il était pressé. Bah ouais. Ça aurait pu être drôle. Bon, j'espère que ce son vous convient à tous. Pas trop fort, pas trop faible par rapport à la voix. Vous me dites, hein, n'hésitez pas à faire des commentaires sur les sons. Je le règle en même temps, maintenant que j'ai l'opportunité de faire sans que ça freeze l'image du stream. L'amélioration, de plus en plus d'amélioration, de plus en plus de beauté, les gars, n'est-ce pas? Oui. 1080 60 fps, ça y est, on y atteint. Bientôt le 4K. Ouais. Bientôt le 4K. Pas tout de suite, hein. Je kiffe les nouveaux boobs. Moi aussi, je les kiffe. J'ai rien, les deux. Il y en a encore une troisième. Ok, de Rodriguez à. À Lead, les trois personnes à la BA, on démarre vers vous. Oh là là, un petit bébé. Ça, c'est mes préférés à moi, ça. Oh non. Bah, il y en a une troisième. Il y en a trois en tout, les gars. Et après, on va. Regarde. Où ça? A tous, besoin de renfort imminent sur Attira, vite! Plusieurs packs au niveau de l'ATM d'Attira, armé et protégé. Albertino, je veux toutes les unités sur Attira. On se restuff? Ah bah oui. Hein. De Syrah, besoin de toutes les unités Attira, les Albertinos, puis. Position plutôt. La possession ou. Position. On dans les bâtiments. Bon. Clairement. Là, on a pour moi, ça m'emmerde. On pourrait pas se présenter où, là, quelque part. Si, si. À gauche, là. Recule, recule. Sur le toit du bâtiment, sinon il y a au sud. Enfin, l'ouest de Tira, tour armé. Ah ouais. Moi, j'entends plus. Ça fait peut-être un peu près, non? Tour armé, je te mets un point tour armé. Je vais y aller. Ou même check s'il y a quelqu'un. Ah ouais. Quelqu'un dedans. Je tourne la tête, j'entends plus. On a un bon vision en fait, j'ai peur qu'on ait pas de bon vision. Oh là là, ça pue ça. J'aime pas quand ça fait ça dans mon casque. Merde.
viennent les autres ou comment ça se passe? Bizarre, pour une fois ils ont pas d'hélico en l'air. Ouais. Del 4 plutôt. Ouais, Del 4 même. Leur million Del 4. Là. Ouais, si, si, il va voir ça. De Rodriguez à Sierra, est-ce qu'il y a code dans... Négatif, code rouge, les gars. Négatif de Sierra. Après. Il se ferme là. Y'a personne qui a pris deux snipes, hein? Non. Là. T'as fermé ton camion? T'as ta format, Bibi? Bah ouais. Bah prends-le bien. Ah ouais. C'était pour toi, hein, je t'avais laissé. Ah ok, ok. Je vois. Elle écoute pour lui, de sien. Eh ben, procéder à une négociation au niveau de la team. La team. Vous pouvez réitérer, s'il vous plaît. Oh, l'hélicoptère s'est crash. Vous pouvez me faire un topo de la situation sur tir. Arbertino, équipé et armé. De Sierra, du coup, nombreux packs positionnés dans plusieurs bâtiments. Albertino. Et ils sont, je dirais, minimum 6-7. Ok, au niveau du crash. Ils sont tous au niveau du crash, l'hélicoptère. Est-ce que vous savez s'il y en a au niveau du vendeur de camion? Ouais, pour toutes les unités au sol, vous entourez à tir. Il va prendre les unités, faites attention, il y a des R sur les routes. Pourquoi je vais mourir? Mais non, mais me dis pas ça. M'a fait peur, toi. J'ai cru que t'étais un bon enfoiré, que j'allais buter. Les buts, les buts. Je veux que toutes les unités au sol pénètrent. Enfin, toutes les unités au sol pénètrent en centre-ville par différentes rues. On bloque, on empêche la fuite. Allez, on est parti en inter. Ok, pour information, ils sont, il y a des packs habillés en civil apparemment, dans les camions blancs. Bien reçu. De Sierra pour tous, ils sont tous sapiens en train de soigner leur collègue qui s'écrache en hélico. Affirmatif, on est devant. Bah allez, c'est parti les gars. Ok, bah go. Allez, top interpellation pour les unités au sol. Bah, tu tapes à 400 mètres, c'est bon. Top inter. Et t'as sur 300, je pense, hein. Ouais, là on a 370 à peu près. Ah ouais, carrément. Ok. Oh, c'est... Ah oui, je les vois. On a deux packs en fuite. Deux packs en fuite. En fuite. C'est menotté, en fait, attention. Ok, code. Sommation effectuée à tous, soyez prudents. T'as failli dire code noir. Hein. Ouais, j'ai failli, ouais. Ça part en civil là-bas. Ok, à toutes les unités terrestres, des camions blancs prennent la fuite direction sud à Tira. Camion blanc, camion ben blanc. Ils dirigent vers eux. Hein. J'ai un Pax commun embarqué dans la voiture, il faudrait la réanimer. Ah bah vous appelez la sécurité civile. Ils doivent être planqués dans les bâtiments. Camionnette blanche, plus de camionnette qui s'enfuit quand on interpelle. Affi, dès que c'est Albertino, vous devez interpeller les gars. Bien pris, donc Charlie, on se dirige directement au vendeur de camion. N'oubliez pas qu'il y a eu menottage, donc il y a forcément sommation effectuée. Hein. Merci Nabil, merci beaucoup. Bah, il y avait la canicule, j'ai pas pu stream, hein, voilà. PC était en PLS comme moi. Donc pendant 2 jours, il n'y avait pas la série. Mais merci à toi, my going game, merci à toi, bon jeu.
au niveau du garage. Répétez. Beaucoup de camions sur le, au niveau du garage. Bah, vous contrôlez. Pas de soucis. Le camion violet et rose, ça n'a rien à voir. Un truc ? Non. Alors des packs planqués ? Je sais pas. N'oubliez pas que les Albertino embauchent des civils pour faire du cigare. Hein. Donc s'il y a du civil, c'est forcément des gens qui travaillent pour eux. Vous faites parler les civils sur leur objectif et ce qu'on leur a demandé de faire. Charlie pour lead. Franchement. Le petit camion, c'était juste du diamant. Ensuite, bah bon, lâchez. Ah, fille, c'est fait. Ah, le Pax Coma est décédé. Attention, c'est Costa, vous êtes bravo. Réitérer. Vous êtes bravo, pas Charlie, attention. Ah, autant pour moi, excusez-moi. Pas de soucis. Il est mort. Qui ? Le Pax Coma qui s'est crashé en un lit. On a les positions des autres Pax ? Vous êtes au niveau d'Aldès. Ok, j'ai une BM Mercedes blanche, direction mine de diamant. On vient de les contrôler, ils ont rien à voir. Merci. Je positionne comme Pax, on a toujours deux Pax qui discutent. Pax au personnel. Ah, deux Pax armés, est-ce qu'on les interpelle pas ? Ah bah affirmatif, vous faites un contrôle les gars, s'ils sont armés. Avec... C'est ceux dans les camions Mercedes rose et vert ou je sais pas quoi là. Négatif, c'était les Albertino qui réanimaient leurs collègues. Ah, bon bah vous parlez avec eux et voilà. Obéissance à la loi. Salut Jess, comment ça va? Ouais, ça va nickel. Tempête là. Ça. RAS dans le Tempête. On a signalé dans le camion qui le suit au Tempête. De Matteo à Sierra. Savoir, est-ce qu'il y a des véhicules autour qui sont en place avec des tireurs ou pas? Négatif. Tiens, bien pris. À mon avis, ils étaient en train d'embaucher des civils. Ouais, mais ils viennent de discuter à sa radio en disant qu'il veut pas de tir, pas d'effusion de sang, personne se met à tirer, donc savoir s'il y a du monde ou pas autour. Ensuite. Alors, soyez sympa avec eux, s'ils partent de ce principe-là, voilà. Ah oui, dans l'idée, oui, il veut pas se battre, il veut se partir de chacun de leur côté. Ah non. Bah, du coup, non. Non. Deux personnels en gilet. Vous leur enlevez les armes et vous les laissez repartir. Trigger pour DD. Transmet. On a un bracelet sur Zaros. Le nom? Stallone. Ah bon, on en fait une cible prioritaire après d'avoir terminé celle-ci. C'est bien pris. Stallone, il est pas déjà arrêté. Et Gunter pour DD. Non, transmet.
Enfin, attention, parce que les Albertinois, en général, à chaque fois, ils disent qu'ils veulent pas des fusions de sang, mais à chaque fois, ça part en IBM, Tech Dawn et Icon Noir. Donc, faire attention quand même. Ah bah, faites attention, les gars, c'est vous les négos, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis loin, là, je suis en appui. Hein. Vous qui gérez, les gars. Ouais, je confirme, ils étaient là pour embaucher des civils qui partaient au diamant pour faire du cire. Yo Trunks, comment ça va? Non, pas du tout, Jess. Ouais, ça forme pas mal, là. Tu m'as fait peur comme ça, toi, putain. Putain, c'est normal que j'entends pas à 360 degrés, là? Comment ça? Bah, je suis obligé de regarder l'hélicoptère pour l'entendre. Et si je lui fais deux, je l'entends plus. Moi, je l'entends même pas. D'accord. Excuse-moi. Donc, l'individu en noir avec chapeau beige sur ma position, une M4A1 dans son sac à dos, le deuxième écrit. Lead de Kowalski. Sur Echo. Actuellement, je parlais avec deux des PAX, il semble être plusieurs retours. Est-ce que je continue une négociation et tente de prendre des armes ou on embarque directement? Affirmatif, on négocie. C'est bien prêt. Qu'est-ce que t'appelles les effets? Les sources? Il faut qu'ils aillent débusquer les PAX. Les PAX. Camionnette noire qui arrive sur position garage d'ici une minute. Valide, je vais relâcher le personnel qui avait rien sur lui. Valide de Kowalski. Ça se met. C'est bon pour toi, Valide? Ah, une petite Ford. Ouais, mais y'a RAS pour le moment. Non, je le vois plus. Il avait rien, il avait pas de gilet. Ah, où sont ses collègues, mais... Ah ouais, c'est peut-être pour ça, en fait. Ouais. C'est pas qu'ils checkent les bâtiments, en fait. Ah, c'est bon. Bravo, ça va être fini d'annoncer. A new follower. Voilà, c'est la cité. Bienvenue à toi. Voilà, c'est la cité. Bienvenue à toi. Merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux venir sur Discord aussi pour avoir les notifications du lancement de mes lives et des vidéos mises en ligne sur ma chaîne YouTube. Merci à toi et bienvenue sur la plus belle communauté d'ALF. Et merci, mon petit Ryan, pour le test son. Ça m'a bien pété les oreilles et mes yeux. Oui, je sais. Est-ce qu'il y a... Je me fais engueuler en plus. En plus, je me fais engueuler. Bah non. Bon, allez, on bouge. Non, où ça? Bon, on bouge, on sert plus à rien. Ouais, mais ils sont toujours en négo, là, hein, les D1. Ah bon? Ah ouais. Pas en négo, ils sont arrêtés. Ah merde. Non. Ah non, parce qu'ils négocient, parce que soi-disant, il y a leurs collègues autour. Ah! Il y a toujours... Il y a leurs collègues autour, là? Bah, t'inquiète pas, c'est... T'inquiète pas. C'est en négo. C'est du bluff. D'accord. Et qu'ils arrêtent maintenant avant que leurs collègues ils arrivent vraiment, en fait. Bah ouais. Bah allez, vous leur prenez les armes, vous leur dites de partir et terminez quoi. S'ils investissent pas tous les bâtiments, ils pourront jamais savoir s'il y a des PAX autour. Hein. Ah si, c'est ce qui est en train d'être fait. Pour les autres unités, vous postez aux alentours. Vous faites un périmètre de sécurité autour de la négo. Donc ces messieurs souhaitent parler, ils ont déposé leurs armes, ils ne sont plus une menace pour nous sur position, je vais continuer la discussion avec eux quelques minutes. Alors, vous prenez les armes, vous les chargez dans la voiture et on s'en va. Et vous marquez ça dans le dossier, que tel jour à telle heure vous avez interpellé, armes démunies, et aucun fait ne leur a été reproché au vu de leur... compréhension. Coopération, voilà.
je vais chercher le mot. Oh, il y a des hommes qui tirent à l'alt, hein. Bah, allez, on bouge. Ah, mais c'est les mecs en sprinter qu'on a vu tout à l'heure. Mais oui. Ah, c'est les Zigoto Benelli. Oh putain, ils sont cons. Moi j'ai peur, moi. Bibi, il fait quoi? Quoi? Non, je disais Bibi, il fait quoi? Je sais pas. Donc, pour tous, toutes les personnes en sable ne sont plus armées et quittent la zone. Nous embarquons la personne habillée en noir avec le chapeau. Nous allons à la BA. Reçu, identique pour Sierra. N'oubliez pas que vous avez un appel d'urgence de hommes qui tirent devant la LC également. Après. Il y a une centrale? Affirmatif, je suis en cours. Donc la centrale devrait relayer cette information rapidement, c'est son boulot. Monde, Bibi. Il a quel véhicule? Donc pour toutes les unités au sol, à part l'unité Ivar, vous prenez départ direction la LC, vous allez traiter cet appel. Alors, attends, le PDG m'a envoyé, il part vers Kavala, les deux sprinters. Pour info, les deux sprinters partent direction Kavala. Let's go, on y va direct. Ouais. Ah c'est bon, il a les clés. Son collègue a les clés. Ah je trouve ça dommage qu'on les a pas arrêtés quoi. Ok, on bouge à l'aise. En vrai. Surtout qu'ils étaient relâchés avec leur gilet. Donc pour toutes les unités au sol de centrale, j'ai Alpha qui va à la BA traiter la personne et tous les autres vous partez direction la LC. Après, des tirs ont été mis devant, des tirs ont été faits devant. Vous pouvez demander c'est quel type de véhicule au cas où s'il répare avant nous. C'est... je crois que c'est Sprinter. Sprinter rose et violet. Qu'ils ont arrêté tout à l'heure, d'ailleurs. On est à droite, hein. On passe par la bijouterie. Ouais, je sais. On est des malins, mais... Bah oui. En vrai... C'est rapide, hein. C'est quoi? Ouais. Ah ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, il a pas tort, hein. Chapeau. Après, quand tu vas tout droit, c'est toujours mieux. Normalement, l'orifice se trouve toujours tout droit. Mais tu peux... c'est pas ça qu'on parlait? Non. Deux centrales pour Scott. Transmettez. Vous prenez un véhicule, vous rejoignez les autres unités au sol, direction la LC. On a eu des tirs qui sont des tirs qui devant dans l'entreprise. Non, non, on est 40, 47. Ah, t'as 48. Répondu, Dédé. C'est toi qui as répondu? Non. Ouais, non. Là, on vous pose la question, c'est pas moi. C'est quoi, attends, c'était pas mais il était armé. Station service, c'est ça. J'irai sur la LC, moi. J'ai le camionnette en vue. Quel type de véhicule, s'il vous plaît? Direction Tyrone. Je suis avec la fumée noire. Négatif. Ah, devant. Non, ça c'est Sprinter, bébé. T'es au noir, derrière. Allez, vous faites votre boulot de flic. Vous faites plusieurs sommations orales, naturellement. Ouais, 47. Il est seul, le mec. Ouais, ils sont deux. Ouais, ils sont deux. Enfin, pour éviter que vous... rentrez dans la maison. Ouais, on va faire comme ça. Ah, il y a la directrice générale. Ah, elle sait. Les marchés peuvent avoir marqué. Oui, il y a un peu de personnel. Bon, allez, on bouge. Affirmatif. Ouais, je... Charlie, tu m'en comptes pour suite avec un véhicule à besoin de renfort dans les yeux. Allez, on bouge sur l'autre véhicule. De Sierra, on va bouger sur l'intervention à tir. Ah, unité police à l'essai, c'est bon.
Affirmatif, on est en train de traiter. Ok, on... Bien reçu, on va en prendre l'appui de Sierra à l'unité Attira. Vas-y, tourne à gauche, non ? Ils sont vers où exactement ? Attira. Là, ils sont... Ils sont dans l'est. Unité douane sud de Sierra. Unité douane sud de Sierra. C'est vous qui êtes à la... derrière le Tao ? J'ai pas compris. Ouais, dur de le rattraper avec les véhicules qu'on a. Les unités police à la VA, vous êtes tous occupés ? Tous ? Affirmatif, on en a un qui est en train de régler un problème et la deuxième unité, on traite un personnel. Ok. Dépêchez-vous s'il vous plaît, besoin de renfort sur l'est. Affirmatif, on a les marshals qui sont présents, donc on fait. Merci. Le pire Charlie, vous êtes toujours derrière le Tao. Affirmatif, une petite consommation, on peut tempérer, vous êtes temps pour Vraiment. Moi j'aime bien ce véhicule. Hein. Quand tu le conduis pas, il est bien. Ok, à la BA, vous me faites une patrouille de 2 qui s'occupe des packs et une patrouille de 2 qui rejoint l'unité dans l'est. Là, plusieurs sommations ont été effectuées, j'ai besoin de renfort maintenant. Vous organisez comme ça. Alors, reçu, problème, c'est qu'on a un mec qui est absent. Ah putain. Charlie. La déception. Fatigue. Pourquoi le mec qui est absent, il conduit en fait, je comprends pas. Mais c'est ça en fait, c'est ça qui m'énerve. Non, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai pas le... j'ai pas de chat là. Ouais, on y est presque. Sierra, le Tao Nord revient sur vous. Vous allez faire plusieurs sommations ou pas? On met sur une herse, hein, de... Affirmatif, multiple sommation, on faut le tempérer, on attend une Pour information, nous on s'est fait take down déjà, mais on a pas cassé, on s'est juste on lève le véhicule, on lève le véhicule. Je repars vers Sharkia. Oui, fonce. Pas vers Sharkia, pas vers Sharkia. Ouais, vas-y, je reprends ma herse, je reprends ma herse. Conduit, moi je sais pas conduire. Vas-y. Moi qui reprends. Affirmatif, ils ont take down, hein, donc faites attention. Code take down effectué ou pas? Affirmatif, il nous a take down. Non, bah, alors, take down touché ou involontaire ou volontaire? Ah bah, nous on a essayé de le doubler, il s'est rabattu sur nous. Ok, volontaire. Il vous a touché. Bonjour, on est avec le bon de au traitement de diamant. Donc, les sommations sont faites. Bien pris. Du coup, il se dirige vers où là? Ah, ils le suivent toujours, ils ont pas cassé. Mais est-ce que je me dirige au bon endroit là? Ouais. Ok. J'ai cru que je me dirigeais. Sous les collègues quoi. Ouais, mais je pensais pas que. Je sais pas si c'était où. Vous allez te croiser, Sierra là, sur vous. Attention, mes nerfs. Il revient sur nous là ? Négatif, négatif. Ah, ils font des conneries. Hein. Là. Oh. Merci. Oh. Porte-formation principale, par ouais, ils ont un peu de soucis. Hein. Ah, j'ai changé de pied, attends. Tu veux pas derrière. Je suis passé à fond et d'un coup. Ouais, moi aussi, je passerai derrière. Au niveau de Paros qui est devant nous. Dommage qu'on peut pas réquisitionner avec l'équipe de police. En direction Telos. Mais juste que j'aime bien jouer en fait. Et que t'as dit, tu vas tourner à gauche, au moins tu vas aller plus rapide à gauche. Oh, mais t'es un champion. Oh, oh l'a cassé, putain! Oh là là, et moi je suis blessé. Oh là là. Le plus pourri de la terre. Vas-y, je répare. C'est qu'avec une RS. Pourquoi je prends une Sierra, vous avez cassé. Ah, ok, le véhicule a été take down. Ok, vous traitez. 600 mètres DD1. Hein. Hein, au pire, le regarder, ils sont à 600 mètres. Par là-bas. T'inquiète. Merde, je saigne de où maintenant, non? Ah, je saigne plus. Vous avez une mauvaise langue quand même. Combien, 800? Ils sont communs. C'est maîtrisé sur notre position, sur position Charlie, c'est maîtrisé. D'après, on arrive sur vous. Approchez le véhicule, les mecs, s'il vous plaît.
T'as combien de mètres là, Vivi? Ok. Purée, juste avant l'action. Montez. Ah ouais, ça y est. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, ça remarche. Je touche plus. Allez, pour les deux unités au sol qui arrivent par Rhodopoli, vous vous mettez autour de la position des collègues sur la route, vous mettez en position de défense. Bien pris de bravo. Au niveau son du jeu, ça vous va, sur stream? Nickel. Oh, il y a un mec armé juste devant. Où? Il y a un mec armé juste devant, là, Dédé. Ils sont peut-être avec eux. Ah, ah oui. Mets les armes dans le dos. Mets ton arme dans le dos, toi. Mets ton arme dans le dos. Comprends pas ou quoi? Mets ton arme dans le dos. Attends, où? Max en position. Vous, vous êtes qui? Comme toi, t'es qui, toi? Négatif. Toi, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Tu marches comme ça avec ton arme, toi? Je veux le roi. Armand. T'as envie de... Putain, mais t'es fou, toi? Putain, t'es fou, toi? Parce que tu attaques les flics là-bas, c'est ça? Moi? J'attaque personne. J'ai tiré sur qui, là? Personne? Non, mais je sais pas, parce pas, qu'il y a les flics là-bas, c'est pour ça. Cours, donc, attention. Je sais même pas qu'il y a les flics, moi. Bah, si, bah, je te le dis. Bon, bah, c'est pas grave. On va traiter quand même. T'es qui, toi? Moi je me balade tranquille dans ce secteur, c'est dangereux visiblement. Bah ouais, c'est très dangereux, ouais. Tu vois bien où on est. Oh là, il y a besoin de police là-bas, là, vous l'avez vu? Ah ouais. Ah merde, non, bah on va dire que c'est toi. Ah, on va dire que c'est toi. Non, c'est pas moi. Si, on va dire que c'est toi. Si. Non. Au secours, il m'a braqué. Au secours, il m'a braqué. Mais vous êtes sérieux, les gars? Vous l'avez laissé partir, sérieux? Il se barre en courant. Putain, mais vous êtes grave. T'attaquez-moi ça? Interpellé. Ok, véhicule réparé, on y va là maintenant. Bon, allez, à toutes les polices là, sur les deux unités Sierra, sur les unités Sierra qui courent, il y a un Pax armé. Il arme en main. Code noir? Affirmative, code noir. Mais ils sont sérieux. Ah, mais c'est quoi ces gars? Attends, mais en fait, il a tiré sur le collègue. Ouais, ils ont tiré sur moi. Ils ont craqué les mecs. Bon bah on démarre les mecs, non? T'as joué rien du tout. Il y a un blessé chez nous? Non. Négatif. Forcément qu'on nous a tiré dessus, vous avez branché le GPS. C'est quoi ce mec? Vous avez craqué les gars ou quoi? C'est moi dans le dos, mais attends, tiré dessus, je suis là. T'as mis les mains sur la tête, il s'est barré en courant l'arme dans le dos. Et dès qu'il passait les collègues, il a sorti son arme, il a rafale les collègues d'à côté de nous quoi. Non mais n'importe quoi. Ouais, j'ai mis deux petites balles. C'est Mathéo, mais il a pris le temps. Ouais, je répare, on remonte et on repart. Oh purée, j'en peux plus. Il y en a, ils sont vraiment bizarres. Ah, il a fumé. Ah, il a fumé fort, lui. Lui, c'est bon. Puissant. Hein. Bah, Gobert. Gobert. Vous avez les packs? Ah, j'ai embarqué BA en traite et en moins bien l'unité qui restera pour traiter, les autres par repartiront. Vous voulez tirer sur le but? Non. Après. Par contre, il y a le VL du mec. Là, s'ils le prennent, c'est tout. Coup de poing. Il est où le coup de poing déjà? Coup de poing à gauche. Coup de poing à droite. Action, pointé du doigt. Est-ce que vous avez un certain Pablo Rodriguez avec vous? Négatif, nous on a Carlos Rodriguez. Affirmatif de Foxtrot. Est-ce qu'ils ont pris le VL derrière? Ils n'ont pas pris le véhicule du Pax. Bon. Bah écoute, il va se faire voler son véhicule. Ah, oui, réitérer, Foxtrot, vous avez un Pablo Rodriguez avec vous? Ah, si. Je
Je cherche le coup de poing, il est où le coup de poing? Donc pour tous, Alpha, on fait demi-tour, nous avons le véhicule de Pablo Rodriguez, nous le récupérons, nous l'amenons à la BR. Merci, Yon. On se déstuff ou pas? Bah ouais. Moi, ce que je veux, c'est le coup de poing, je sais plus où il est. Point de quoi? Pourquoi la tatane? Ah, c'est dans les commandes. Ouais, dans commandes. Dans commandes. Oh, tu veux dans configurer les add-ons? Ouais. Et après, c'est Antislife. Antislife France. Décrocher à Sony. Marquage de station, adios Dionysos. Après, yeah. Pourquoi j'ai pas reçu la tatane là? Je sais pas, c'est peut-être parce que je sais pas, il bougeait trop. Bah non. C'est de supprimer ta touche et remets là. Hein. Bah, c'est ce que je fais en fait. Après, fais deux fois ok, sinon si tu échappes, ça marchera pas. Ah, bah, cherche pas. Unité. Raccourci frappe. De bravo, on y va tout de suite. Attention, on va rien faire. Oh là, oh là! Quoi? T'es malade. Non, il y avait un mec qui faisait peur. Il m'a fait peur. Je m'en fous. C'est bon. Putain, j'arrivais pas à tatane, con. Le mec a commencé à tirer, j'ai pas cherché le tatane, j'ai mis 3 balles. Ah, mais ils étaient ensemble, les gars. Ouais, ils étaient ensemble. C'est pour ça qu'il a allumé, donc il a le droit. Oui, mais il a le droit, mais genre, c'est con, il y a 15 personnes autour de lui, quoi. Du coup, qui s'en occupe? Bah vous. De Fox quand on s'occupe des packs actuellement. C'est reçu, on vous dépose le nôtre. Homme en torche blanche, route principale. Oh mon de Dieu! Oh pas. Non, on doit se faire tirer ici. Oh non, nous flinguez pas. Non, non, je ne tue pas. C'est bon, arrêtez! Non, non, je vous jure, on n'a pas de cargaison, on n'a rien. Arrête, j'ai peur. Ah, la police, ils veulent nous braquer! Noël ou pas? Ouais. Ouais. Pourquoi? Il a fait quoi? Bah il nous a arnaqué au ancien vendeur LC, tu sais, t'allé nous chercher par la peau des culs. Pff, bon, je sais pas de quoi tu parles, moi. Ah, je connais pas, hein. Attends. Eh, Barbe Blanc. Allez, on va pas... chercher les Niglos. Et vive la chasse pas... Mais il est con, lui, ou quoi? Quoi? Il est malade, lui. Il est venu faire. Il fait quoi ce malade? Il est fou lui. Il arrive quoi lui? Ouais, les rissons, tu crois quoi? Il est au sol, il est dans les airs. Question. Les rissons, il est où? Bah allez, on se bouge. Et l'arme devant moi? Et l'arme devant moi, c'est quoi? C'est un airsoft aussi? Et l'hérisson, il est dans les airs. Ah, énorme. Énorme. Oh mon Dieu. Vivre avec un t-shirt, c'est pas possible, hein. Ouais.
J'essaye, hein. J'essaie de monter le son. Oula! Je suppose que sur le chat, vous êtes déjà, pour certains, en vacances. Vous êtes déjà parti en vacances. Pendant que d'autres... Pendant que d'autres prennent le boulot demain, comme moi. On fait du deux roues. On fait du deux roues. On fait du freestyle. C'est très vite. Hein. Non, attention. Non. Plus il me niquait la tête. Il veut pas, il veut jamais. En fait. Yo Red, comment ça va? Merci d'être présent. N'hésitez pas les gars à discuter sur le chat, discuter, faire des rafles. Êtes-vous qui pouvez faire des rafles là? Pourquoi ils peuvent plus en faire eux? Hein? La vie est belle. J'ai que des gonzesses devant moi, c'est normal. On voit plus rien. Ça serait tard. La rue, il y a les mecs qui ont ce qui rentre, on sait pas. Ah,
Oh, pourquoi vous vouliez qu'on l'arrête cette décapotable, vous vous en occupez là. Hop. Décapotable les gars, vous prenez tout. Merci Nec pour avoir offert 8 abonnements à la communauté. Merci mon petit Nec, ça fait super plaisir pour eux. Merci à vous. Merci à toi pour eux. Et je vous invite naturellement à ceux qui ont Pourquoi vous vouliez qu'on arrête cette Porsche qui s'est vu avoir offert un abonnement. Combien de remercier Nec 0. Excès de vitesse, menace envers la zone de force de l'ordre. Ça. Merci mon petit Nec, ça fait super plaisir de soutenir pas l'offre, l'offre d'abonnement. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Et alors ils ont même tiré en l'air pendant qu'un leur prenait un peu de l'information. Et que les deviennent sont forcément les VIP qui sont là depuis le début et soutiennent cette chaîne depuis. Donc le véhicule qui a demandé d'interpeller la Porsche, vous venez sur toi, ma position Alex, et vous venez contrôler. Allez, réactivité là. C'est qui parle comme ça là? C'est du Maz. Ah ouais, c'est du Maz, j'allais dire. On peut avoir du renfort là sur le véhicule civil, ils sont vraiment blessés. Ah, fille de Sierra, on est là. Dans où? Véhicule civil. Faut qu'on aille où là, Dédé? Sur la sécu civile, route principale. Ok. Du coup, nous passons à 47 abonnements sur la chaîne en cours. Merci beaucoup à tous. Ça me fait super plaisir. Ça me donne vraiment l'envie de faire encore mieux, de vous proposer encore plus de choses. Enfin, surtout du Arma, parce que nous sommes une communauté Arma à la base. Mais il y a aussi du Rambo Six Poly Nouveau. Il y a aussi du Apex. Il y a aussi du Rocket League depuis peu. On a la Porsche 718 en excès de vitesse et contre-sens. Ça fait une rentrée dedans. Direction BA de terminal. Allez, si vous avez pu prendre la vitesse, vous interpellez pour excès de vitesse, c'est quand il va. D'accord. Vous avez besoin d'aide ? Voilà, il y a tout ça, c'est grâce à tout ça, c'est grâce à vos abonnements, c'est grâce à vos donations que tout ça est possible et que l'amélioration du stream se fait de mieux en mieux, de plus en plus. Voilà, c'est grâce à vous, c'est... merci à beaucoup. Oh là, super plaisir. Merci beaucoup. Elle est là, la sécu. Donc c'est quelle voiture en fait ? C'est quelle voiture qui va? Bon, du coup, oui, c'est y a bon. Papy. Tout va bien, c'est bon. Ils sont pas tous les mêmes, du coup. Vroom, vroom. C'est quoi les sommations du coup là? Je comprends pas trop là. C'est quoi hein? Les sommations c'est quoi en fait? Quand tu as tiré tout à l'heure, tu sais. T'as du masque pour ta guerre, tu me ressens. Affirmatif, transmettez, je sors du coma là actuellement. Ok, donc une fois que tout est réglé, nous repartons à la base. Ah bah là, c'est quoi? C'est bien. Écoute, tu moi. Pas bon, ça m'a alors, c'est reçu. Manteau la nuit. Même pas que t'étais là, toi, Anto. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont là et que. Je vois pas que j'entends pas en fait. On se réticule à la BA, on y repart. Comment se fait-il? C'est bon, il y a un nouveau marché qui est là. Ah là là. Pour tous, est-ce que les fusils autorisés le stand, oui.
a new follower. Salut Zekos42, bienvenue. Merci de ton follow sur la communauté ILF. Bienvenue à toi, t'as aussi Discord pour te tenir informé des vidéos mises en ligne sur la chaîne YouTube et naturellement la notification en direct des mails live durant la journée, la semaine, le mois. Merci à toi et bienvenue sur la communauté ILF. Il y a encore beaucoup de monde qui joue Arma, hein. Ça fait plaisir. Franchement. Hein. Mmh. Ouais. Même malgré la chaleur. Malgré la chaleur. Bonjour, y a-t-il des forces disponibles pour encadrer un petit event avec la LC en dehors de Non, pas possible. Trop peu d'effectifs. La dernière fois qu'ils ont fait un event, on avait arrêté deux dans zone, mon gars. C'était pas ouf, quoi. Bon, Joujou 10-0-15. Qui est-ce donc? Les gens, je sais pas qui c'est. Quasiment dans le temps. Hey! Oh, je suis en live. Server group assigned. Voilà, désolé, hein, je suis obligé. Je le fais jamais, exceptionnellement ce soir, je me mets en ne pas déranger sur PS. Mais il y a Stallone. Ok. Ah ouais, elle est pas loin, Stallone. Ouais. Ouais, ça se fait ça. On va parler à des gens. Ouais, on va se jeter ça de plus près. Ah oui, le véhicule qui est. Joseph Staline. Le truc là ou quoi? Pourquoi il fait ça? Jean Merguez, comment ça va? Super modo. Super modo. Le mec qui vient après la tempête. Il fait comme longue. Pour aller sur. Hein? Il y avait le dos. Nabar. Elle est armée. Oh. Hey, hey, hey. Oh, bah, se casse. C'est que ces mecs. Non, là, je pense qu'il fait un appel radio. Il fait hey, les gars, il y a des mecs bizarres qui me crient dessus. Ouais. Ah, il fait bon une commande longue là et ramenez-moi tous les flics. Là. Voilà, besoin d'une unité sur nous, on a un Pax qui on refuse d'obtempérer. On bah, refuse, en même temps on lui a pas dit de s'arrêter. Pas faux. Mais bon, comme ça ils viennent. Hé hey
trop loin, je peux pas lui parler, moi. Eh, fiston, pourquoi tu pars? Pourquoi... Eh hey pourquoi... Eh hey. Il repart dans le camp magique, là. Ah ah bah. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Fallait t'arrêter. T'es puni. Pourquoi tu pars en courant comme ça? Pourquoi tu pars en courant? Hein? Pourquoi tu pars en courant? Allô? Ça va, Bonos? Ça va et toi? Oui, je vais bien, merci. Bah, pourquoi tu pars comme ça? Mais pour bon, je sais pas, je t'entendais pas, excuse-moi. Bah, je te dis, putain, tu nous vois, tu se barres, toi. Et je veux pas que c'était toi. Bah ouais, mais faut pas. Pourquoi tu pars? Pourquoi t'as peur? C'est pas ton gars, il se met à côté de moi. Je comprends pas, hein. On n'est pas une équipe de foot, hein. Nous, on n'est pas là pour faire du mal, hein. Les gars, où est-ce qu'ils vont me recevoir? Non, te reçois pas. J'ai des hommes sur moi. Mais non, mais c'est normal, tu veux pas parler, fiston. Des gens qui m'appellent fiston. Fiston, viens voir. Faut que tu me bénisses. Bénis-moi, s'il te plaît. Bénis-moi, s'il te plaît. Allez, bénis. Bénis-moi, mon père. J'ai besoin que tu me bénisses, là. J'ai fait des péchés. J'étais pas gentil, moi. Pourquoi vous m'intéressez? Moi, je vous... Mais, vous moi, béni... mais moi non plus, bénis-moi, s'il te plaît. Non, bénis-moi. C'est ton gars, il veut... Mais non, mais laisse-le. Mais non, mais bénis-moi, s'il te plaît. J'ai non. besoin que tu... Bah, allez, s'il te plaît, bénis-moi. Mais si, mais moi... mais non, vas-y, bénis-moi, s'il te plaît. Bénis-moi. Mais non, mais bénis-moi. Bénis-moi. On s'en fout de ton L4. Bénis-moi. Allez. Bénis-moi. J'ai fait... Vas-y, je m'en rapproche, je te fais rien, promis. Regarde. Tu fais rien, je m'en prie. Allez, vas-y. Ouais, ouais, t'inquiète, c'est pas mal. T'es là. Bah, allez. Pourquoi tu veux pas me bénir? 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 Ça me cure, ça me cure, ça me cure. Mais non, mais pourquoi tu veux pas me bénir? Ok, tout le monde. Allez, mets-toi à terre, mais allez, mais les... Allez, bénis-moi, fiston. Bénis-moi, fiston. Il y a toute la scorpion qui arrive, sur nous. Ouais, il y a du... Tu sais l'endroit avec les coups. Bon, bah tu veux pas me bénir, je m'en vais. Il veut pas me bénir, je m'en vais. De toi qu'on m'a cassé. Allez. Si tu montes dans l'hélicoptère, ça va chier. Si vous montez dans l'hélicoptère, ça va chier. S'il monte dans l'hélicoptère, ça va chier. Et vous allez... Et vous allez mourir si vous montez. Ça veut dire quoi, ça va chier? Ça va chier. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, c'est juste que s'il monte, ça va chier. Allez, abattez. Allez les gars, vite. Nul à chier. On essaie de discuter, ça marche pas. Et après, on va dire oui, c'est la police. Oh! Bah ouais, pendant un temps, moi aussi. Mort de rire, bonjour le palu. Non. Qui a besoin d'une évacuation? Doc, Scott, on a cassé et on a fait le pack sur nous. Ok, vous montez dans le véhicule, la BM, on arrive sur vous, Scott, en évacuation. En face de vous, y'a pas que ce...
T'as au noir, c'est Pax en fait, y'a... Il est encore... Ok, tous les deux coma sur t'as au noir. Deux Pax coma. Est-ce que je pourrais avoir un véhicule d'extraction sur Doc, s'il vous plaît? T'as au noir. Tu as la BMW à côté de toi. Bon, on arrive, Doc, on arrive. Cessez le feu sur le LK. Doc? Une PMO ou pas? Affirmatif, un médecin demande une PMA s'il vous plaît. Ouais. Bon, en vrai, c'est, en soi, c'est pas grave. Bon, en même temps, c'est un mec qui veut pas se rendre. C'est logique. Bon, et sur le chatos, comment que ça bagne? Je crois qu'on a deux mecs dans le chat. Ouais, c'est sûr. Ah, là, si on l'a pas dans la mec, je comprends pas. À un moment donné. Ivar, on a coma sur notre position. Montez, montez, monte dans le taon, monte dans le taon. Major coma. Est-ce qu'il y a une PMA disponible? PMA en attente sur Antarctica. Malheureusement, j'ai plus de véhicule, donc j'ai plus d'angle porté. Oula, c'est piqué les oreilles ça quand tu meurs. Je reviens à peine et tu es déjà dans le coma. C'est ça. Vous avez perdu connaissance, mais vous avez déjà obtenu toute la protection et toute fois perdu connaissance pour être plus dramatiquement impressionné à notre personne. Aïe.
Allez, c'est parti. On change. Channel switched. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Alors, salut, je veux. Ben, j'ai perdu des pourcents de mon compte. Aïe, 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 aïe. Salut, je veux. Salut, salut. Salut. Salut, Frano. Toute beauté, tiens. Frano aussi, toi aussi, moi aussi. Bonjour, messieurs. Bonjour. Putain. Ça fait combien de temps? Deux fois? Ouais. Donc, non. Perdu un million? Non. Si, malheureusement. Bah, c'est pas possible. Si, parce que cet après-midi, ça m'a mis le truc. Ah, c'est pas divisé par deux? Oui, oui, mais si. Mais j'ai quand même perdu un million, quoi. Par deux au niveau des pourcents, mais au lieu d'avoir qu'à moins 15%, j'ai moins 7,5%. Du coup, ça m'a enlevé un million. Mais bon. C'est la vie, hein. Il y a un mec qui a perdu. Qui ça? Pas grave, hein. J'ai pas vu quoi. De quoi? De quoi? Pas grave, j'ai perdu un million sur mon compte, MDR. Je vais pas rembourser. Non, c'est bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, par rapport au truc, nous on a. Il y a marqué perdre des licences, on perd aucune licence du coup, nous au prochain. Bah non. Ouais, ça va. Pas licence rebelle, nous. Swag, 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 swag. T'as perdu quoi, toi, Bibi? Elle a perdu son stuff du coup. Ouais, je parle de mon stuff, c'est tout, on m'en fout. Non, il y a du stuff dans la caisse, c'est pas pour rien. Ça. C'est pas pour rien. Merci bien. Je suis deck qu'on ait pas pu abattre l'hélico, tu vois. Ouais. Bah, je pensais qu'on l'avait eu, non. En fait, j'ai regardé, parce que moi, vu que je suis resté un tout petit peu plus longtemps, j'ai vu, il y a un mec qui la rappelle self, je crois que c'était Darkly. Il la rappelle self. Ah, pardon, c'est que le gars. Là. Du coup, peut-être qu'on a réussi à faire un truc. Ouais, peut-être. Hein. Habillé en vert, tiens. Happy birthday. Alors, bien le bonjour, salut Vailleron. Bébé meilleur, tu peux faire l'autorité et lui dire de moins parler, de moins... Pas de soucis, t'inquiète. Je lui dis ça après. Bibi. Ma fille. Vailleron, il me dit de dire... d'arrêter de faire le grade... Ah merde. Il faut que je fasse le gradé autoritaire. Bibi, ça suffit. Faut pas, tu parles le moins de Vailleron. Merde. C'est autoritaire. C'est pas l'ego, tu vois. Je vais le voir. Ben non, pas du tout. Je suis pas énervé du tout. Merci, mon petit cloco, pour ton don. Merci beaucoup. Non, t'inquiète, je suis pas énervé du tout. Pas du tout. Ah, j'espère bien pour si peu. Pas m'énerver pour ça quand même. Imagine si je m'énerve pour ça. Mais merci de ton soutien, ça fait super plaisir. Ouais, déjà arrêté. Arma. C'est juste que. What the... Ça m'agace que la police ne percute pas assez vite. C'est pas faux. Surtout qu'ils étaient à côté, hein, les mecs qui nous ont vu. C'est ça.
et la marmotte met le chocolat dans le papier. Allu. Pas du tout. Pas parce que j'ai une tête de con, je suis fâché. Hein. Alors, téléphone. Yassou, bienvenue à toi, merci de ton follow. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour avoir les notifications directes de mes lives la journée et la mise en ligne des vidéos sur ma chaîne YouTube. Merci à toi et bienvenue à la communauté LF. Ouais, jolie, désolé la de quoi de pas du tout, il y a de quoi être désolé. Bah, pas besoin d'être désolé. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Faut accepter désolé. De perdre des fois. Désolé, t'as pas filé 40 euros, c'est ça? C'est ça. Excuse. Excuse, hein. Dis-lui qu'il faut quand même qu'il te le donne, hein, au bout d'un moment. Je sais pas quoi prendre comme arme du coup. On aurait eu le NTW, on l'aurait eu à côté de nous, le L4 il aurait pas décollé. Hein. Il aurait ah pêché ouais, à trois fois. J'aurais tiré. Ah, ouais. Je savais qu'il y avait des mecs. De toute façon, je l'avais dit à la radio. J'étais là. Qu'est-ce que je vais prendre comme arme? T'avais réussi à te planquer toi? Merci Gugu d'avoir offert un abonnement au commandant Tex qui apprendra moi, comme ça à mieux me connaître. Moi, j'ai couru juste devant merci. Le véhicule, ils m'ont eu. Merci pour lui. Ils ont mis une balle de M320. Je sais pas quoi prendre comme arme, les gars. Là, je fais quoi là? J'hésite à prendre un lynx. Ouais, là, un lynx aurait été bien. Ah, bah il y a. Oh, il y a le ministre. Il est plus ministre, mais bon. Le procureur de la République. Nous voir. Le plus gradé. Eh, j'hésite à prendre le lynx, mais je prends une stoner. Moi, je ferai du dégât sur les hélicos. J'hésite. Ah bah, il parle de toi, Dédé. Je suis pas là. En rencard, je crois. Encore? Ils veulent tous dire rencard avec moi, putain. Hop. Là-dedans. Ah, je sais pas quoi prendre. Ça me fatigue. Bon allez, on va retourner au bon vieux... Au bon vieux kaki, hein. Allez, on va reprendre ça là. Alors, ouais, qu'est-ce que j'aime bien, ça m'a manqué ça là. Merde. Répondre... présent. Une Spar 16, pardon. Dis à Gaëtan que t'es présent ou pas, Dédé? De quoi? Répondre au message de Gaëtan comme quoi t'es présent. Ouais, si tu veux. Salut les folies, comment tu vas? Merci d'être là. Malade. Du coup. Marqué, c'est pour prévenir qu'il faut donner une prime ce soir aux agents, je pense qu'il veut dire. Une prime à qui? Je ne sais point. À moi? C'est pour moi la prime? Putain, j'ai perdu mon chapeau du coup. Putain. Pour moi la prime ou pas? J'ai perdu mon chapeau. C'est pour moi la prime ou pas? Je sais pas, je l'ai demandé. J'ai demandé une prime pour qui? Ça, la bouffe. Oh là là, ils sont tous. Tranquille. Marqué trompé de mots, je donne une prime au policier de ma part. Ah bah voilà. Vous avez une prime, les gars. Attendez, chez McBeige, chez Black Marron. Ça. Je crois que j'ai un peu abusé sur le truc. Hein. AFK. Quoi? Allez, c'est parti, on se casse en hélico. Ah ouais. Je suis perdu dans le tourbillon, j'ai tout... Quoi? J'ai tout mijoté dans un court bouillon. J'ai pas compris. Moi j'ai compris.
a dit à 23h40, il va mener les primes. Ah. 23h40. Ouais. Et il est quelle heure? 22h. Ah, exact. Une prime du coup? Bah ouais. Du coup, vous avez une prime. Ah ouais. Du coup, vous avez une prime. Ah, pareil. Garage. Oui, j'ai un hélico banalisé. Garage. Oui, l'L4 bon. Banalisé. Et ouais. Et regarde. Pourquoi? C'est lequel celui-là, vous voyez? Ah ah! C'est une musique des plus poétiques. Ah ouais? Non, je crois que c'est. Oh, ils ont eu Stallone, je crois, non? Je ne crois pas. Non, ils ont pas eu Stallone dans son L4. Non? Mais Lopez et Stallone. Ils ont parti chacun dans l'L4. Lui, il est. Non, il est pas chef. Oh, lui, il a du bon. Toi, tu fais quoi du coup? C'est quoi? On aura un petit peu. C'est quoi? Mais il rentre, c'est quoi? Ah, ça fait longtemps qu'on fait ce monde. On va dire aux gens qu'on va y aller, hein, pendant les bons. C'est quoi, quoi. C'est vrai? Enfin, je sais que les millions, ouais. On a fait trop dur, j'arrive sur la scène. Ah. Bon, je ne fais pas beaucoup à jouer sur la scène. Je vais suivre les épisodes sur la scène. C'est pour ça que je ne fais pas trop de stream sur ici. Vous êtes plus calme. Tous à fond sur les LF.
peut-être Serrar. Ouais, mais il a dit le policier que c'était à eux. Ah, quel plaisir. Ouais, bah t'es marrant. Hein. Ouais. Je vais essayer un truc. Ah ouais, ça marche. Attends. Ah ouais, ça marche. C'est bon. Non, c'était juste pour essayer. A plus. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, ça te dérange pas de m'appeler monsieur avec j'ai une arme. Pardon? Formation pour toutes les unités. Ma vengeance. Ça va ou quoi, Basile? Ouais, ma vengeance sera terrible. Ah ouais, bah je l'attends, quand tu veux. Vas-y, fais Tarzan. Oh, allez, vas-y, à toi. Allez, sinon je dis à mon gars de te tatane et de te monote et de te foutre en taule. 3 2 1 Ouais, Marshall, c'est plus ce que c'était, Gaëtan. Faut faire quelque chose. Faut dire ça au nouveau ministre, hein, parce que là, c'est le bordel. Sinon que je rencontre celui-là, parce que... Bah nous, on va se casser, du coup. C'est un planqué. Il est dans les bureaux. Oh, putain. De du buzz pour Ricardo, info sur ta position. Allez, vas-y. On prend ça ? Bah oui, on prend ça. Sur Deris, si très sur ta position. Ah, y'a pas de TE, DD. Ah, merde. On va chercher un, putain. Il l'a oublié. Tu veux ma pièce d'identité ou pas, toi? Ouais, toi. Tu veux ma pièce d'identité? Non. Oh. Merci. Bon, dommage. Ça fait quand même peur, un sabre. On nous a fruits, lui. Est-ce qu'il y en a un là-dedans, gratuit? Oh! Voilà, ouais, non. Directement. Ouais, prends un lynx. Ça, il faut. Ferme les portes. Ça, il me faudrait bien. J'aimerais bien ça, mais non. On rouvre la porte. Après, les unités à Gunter, vous quittez la position que vous nous retrouvez. Non. Ah, il y a un DSR 50, mais bon. Ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Un DSR. Ah si, il y a ça, putain. Hop. Ça, il me le faut. C'est quoi ça? Ah, c'est une guilly, putain. Oh, merde. Ah, t'es moche. En vrai, c'est bien, hein, pour être discret. Ouais, bah, te promener en guilly, je sais pas si c'est très discret, quoi. Ouais. Bah, au moins, on sait que... VGTLM. En vrai, c'est sûr qu'on on nous reconnaîtra pas en guilly. Ouais, et encore. Oh, dis donc. tu vas commencer à parler, mon frère. Oh là, c'est Syrah. Oh, ouais, c'est Syrah, ça. 400 000, hein. Putain. Faut tirer. Oh. Oh. Arme. Lynx. Barrette. Tout ce qu'on a mis sur l'hélico, il a rien pris. Tiens, je pose des chargeurs, là. Ah, moi si. On vidait un chargeur et après de courir au véhicule. Et après je me suis bouffé. Ouais, on a Tuche qui est à côté de nous. Tuche n'est pas recherché, les gars. Affi. Ouais, c'est comme il rôdait autour de la. Ah, t'as vraiment pris un lac, c'est marrant. Bah ouais. Tiens, je te donne les. T'as de la place dans tes sacs ou pas? Eh, ouais. T'es là, on a rejoint le bracelet de Tuche. Vous avez Stallone qui vous a dit. Le bracelet de Tuche, il n'est plus d'actualité, hein. Ouais, mais il est pas sur votre position. Ouais, il est bien, nous a dit quand ils sont en l'air. Ok, la zone est clean, plus aucun pack sur position. Non, c'est. Ok, très bien, donc RTBA pour ce soir. J'ai même quand même donné que c'était nous qui sommes tombés. Ouais, bon, ouais, on est depuis ça déjà. Plus 1, vous avez forcément un 530. Allez, là, parce que c'est bon, non? Ouais.
T'as ce qu'il faut là ? Ouais. Si t'as ce qu'il faut. NVS, 46, c'est pas mal. Prends une NVS en vrai. Hein ? Pour la nuit. Prends une NVS pour la nuit. Ouais. La vision nocturne. Tu crois qu'il y a des policiers sur l'île ? Ouais, j'ai une radio. Il a sorti le lynx cette fois. Waouh. Attends, j'ai une radio. Radio de quoi ? Je sais pas. Ils ont demandé s'il y avait des policiers sur lui. On va go. Ah, du coup, j'ai pas dit on va descendre. On rejoint la position Gunter, on l'escorte, on va se protéger au cas où. Il est sérieux là ? J'ai perdu mon. Oh putain ! C'est quoi ? J'ai perdu mon AMS. J'ai chié, putain. Et le AMS il fonctionne pas sur le Lynx, hein ? Non, mon AMS Sparcel. Ah, ok. J'ai perdu. On va aller sur la route. Là, il y en a des AMS si tu veux. Aider. Ah. Ouais, c'est bon, j'ai un chien. Je suis blindé, je m'en branle. Allez, je vous attends. Bon, oh, seulement 10 000 serradins pour le bot. Oh, j'ai mal au cul là. Allez, j'arrive. C'est pas lié au siège. On entend toujours ? Ouais. J'ai rajouté des chargeurs de lynx, on sait jamais. Ouais. C'est un malentendu. Ça peut. Même pris un mousse pour la courte portée. Parfait. On a dû prendre un ACO. On peut pas. Il y a que ces trois viseurs qui sont dispo sur le Lynx. Ah ouais ? Ouais. Ah t'inquiète pas hein. Oh, ça va faire mal au cul. Ouais, avec le Lynx, on est tous en ouais, demande sur la lampe s'ils ont récupéré le VL avec le M200. C'est ce que j'ai juste de te dire. Ah, j'ai pas entendu. Du coup, ils vont le ramener BA. C'est parfait. Oh purée, oh, et ça fait du bien de pouvoir accélérer. Purée, mais je te jure. Commencer à partir en crise de. Ah. De vitesse. On soit des stuffs ou pas ? Oh c'est. Attends. Courtel, il est parti ? Oui ? Courtel, il est parti là. De la police ? Ouais. C'est celui qui est monté dans l'L4 hein. Ouais. Ah, c'est sa maison ça ? Ouais. Ah. Ah bah y'a bah là. Bah là on se quitte. Merci. Oh la Shira. Voiture bleue. Ah, cambriolage ! Eh fiston ! Fiston ! Fais pas ça. Fiston. Bonjour. Fais pas ça. Salut Fiston. Bonjour. Dis donc, t'as une belle maison toi. Comment quoi ? Hein ? Ah bon ? Ah, elle est sympa ta maison. T'es pas la tienne ? Non, elle était ouverte. Ah, elle était ouverte ? Ouais. Ah bah attends, je vais appeler le maire. T'es quoi ton petit nom toi ? Tyler, et toi ? C'est quoi ? Et toi ? Toi, c'est quoi ton nom ? Tyler. Tyler comment ? Zéro. Tyler Zéro. Bah attends, bouge pas, je vais appeler le maire. Allô, monsieur le maire ? Ouais ! C'est Bibi, comment ça va ? Ah bah nickel. Dites, je voudrais savoir qui c'est qui habite au numéro 3, place de Atira. Monsieur Tyler Zéro ! D'accord.
Ok. Merci. À bientôt, monsieur le maire. Bon, mais c'est ta baraque, en fait. Bah non. Hein? Non. Bah si. Ah si. Bah si, regarde, il y a ton nom sur la boîte aux lettres, là. Hein, quand je fais boîte aux lettres, Tyler 0. Donc, félicitations. Dans ton camion. Il y a quoi dans ton camion? Le diamant. Oh. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Putain. Bah, félicitations. Tu stockes du diamant. T'as raison. C'est ce qu'il faut. Pourquoi? Bah, comme ça. Non, mais il y en a beaucoup. Qui... Oh, merde, c'est ma braquette, ça. C'est parce que j'en ai une grosse. Du coup, ma braquette, elle s'ouvre tout le temps. Et ça, c'est chiant. Non, mais c'est parce que des fois, ils mettent... il y en a, ils mettent de la drogue. Ah non, c'est des diamants. Bon, bah, c'est bien. Tu stockes beaucoup de diamants? Ce que je peux, quoi. Tu peux rentrer chez toi pour voir ton salon, pas? Ouais, vas-y. Ah, putain, c'est classe, là-dedans. T'emmerdes pas, le mec, avec ce diamant, quand même. Putain! Truc de malade. Truc de fou, les gars. Oh là 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 là. C'est génial. Tu m'entends? C'est spacieux, hein. Ah ouais, c'est spacieux, ouais. Ah ouais, c'est génial. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est rien. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je vais aller acheter une maison comme ça. Tu l'as payé cher? 1 million. Oh, correct. Correct, correct, correct. Si vous avez des contacts avec le maire, vous savez les prix, non? Bah ouais, mais cet enfoiré, il veut toujours me la vendre 3-4 millions, en fait. T'es chiant. Bon, allez! T'as un problème de truc, là. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. Bah allez, à bientôt, fiston. À plus, Tyler. Ouais. Bon farm. Pam, pam, pam. J'avais crocheté son camion, il y avait du diamant mal taillé. Ouais, ah ouais. Allô? Ah, attends, bouge pas. Ouais, j'ai été visité. Ninja. J'ai été visité. Ouais, des mecs armés. Ah, et alors? J'aurais appris, je crois qu'ils espéraient qu'il y avait de la drogue, mais j'aurais dit non, je prends du diamant. Ah, ah bah. Ok, cool. J'ai la radio des mecs. Si jamais level 8, c'est pas le bon level. Qui veut? Bah eux. C'est le 9 apparemment. Ils sont par où là? C'est le 9. C'est de Barge. Hein? C'est le level 9. 9-9. Neneuil. Neneuf. C'est Jean Merguez. Oh! Vas-y, va faire demi-tour là. T'expliquer la vie, moi, parce que. Eh fiston! Bon, je pense que ma maison, juste après la tirant, l'utilise que pour du légal. T'as cru que t'étais tout seul là ou quoi? T'as cru que t'étais tout seul là à te balader dans la rue là? Ouais, je me balade tranquille. Mais c'est ça. Ma voiture. Alors voilà. Ouais. Ah, si je t'entends encore avec la musique à fond dans ta bagnole, je te promets. Je te promets que j'arrache ton autoradio. Là. Ah, bah, t'as compris? Y a pas de soucis, ouais. Je vais me faire discret. On fait comme ça? Ouais. Ok, merci. Vous êtes rebelle? Ça. Tu le sauras quand tu remettras ta musique. Ah. Bon, j'arrive qu'à, je reviens dans 5 minutes. Excès de vitesse, hein? On est pas de la police. Ouais. Allez, fais demi-tour. T'as vu ça, les gens, mec, bizarre. Allez, arrête-le pour une nuisance sonore. Oh! Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il se fout vraiment de notre gueule. Bon. Sérieux, lui? Je laisse se planter. Allez, laisse se planter, on va rigoler. On va le cueillir juste après. Ouais, par contre, là, c'est lui qui va nous niquer un peu. Hein. Ouais, un peu. Mais non. Il nique un peu, quoi. Mais non, t'inquiète pas qu'il va se planter juste après, tu vas voir. Ouais, c'est bon, dès que tu le vois, tu l'interpelles. 300. 320. 336.
342. Tu vas voir le backeux ce qu'il va te faire maintenant. 342. Ah ouais, quand même. Ouais, allez, retrait de permis, mise en fourrière du véhicule et le backeux il va faire son boulot. À un moment, il va se planter. Ouais, bah tu vas le rattraper au virage après, c'est pas grave. À gauche, fais tourner. Merde, putain. T'es fou. Ah, mais là, on va le rattraper, là. C'est des conneries comme ça. Ouais. Surtout sur du hors-piste, je sais pas si elle gère, hein, cette voiture. Je vois. Est-ce qu'il a réellement continué tout droit? Telle est la question. This is the question. Oui, il est à droite. Ah ouais. Ah, j'entends. Hein. Il fait de l'eau froide ou quoi? Non, non, là, il fait une route. Pour aller sur Alicampos. Elle est devant nous. Ouais, il a fait du hors-piste, il a fait du hors-piste. À droite? Ouais, à droite ou droit là. Ah, mais c'est con, on rattrape. Un con va lui tomber dessus, il va pas comprendre. Ouais, il part à droite. Ouais. J'espère qu'il va se bouffer le virage qui est chiant de Polyeco. Pas très sûr. Et du coup, je le peux le take down ou tu veux encore faire des... Non, non, tu le take down boss avec cette vitesse. Voilà. Mais bon. Tu vas le doubler, tu vas l'arrêter. Ça, par contre, tu... Pourquoi ça fait... Eh, fiston! Ah, pardon, excuse-nous! Ah, si, ça, si il pile d'un coup, ici. Ça te jouer, là. Bon, crépé qui nous attire dans un piège, ça, ce serait chiant. C'est ça. C'est ça, en fait. Là, tu vas avoir 9 packs devant toi. Bon, ça se peut. 9 packs, c'est les Albertino. Ouais, bah, c'est fort probable, hein. Vu qu'il rechange des backeux que Albertino. C'est bizarre qu'il roule moins vite. Je connais pas. Oh non! Oh oh, oh! Arrête-toi! Arrête-toi! T'as cassé? Ouais, non, on peut pas s'arrêter. N'importe quoi, genre nous on casse et lui il a rien. Il pris. Attends, poudre, il pris... t'as mal entendu, il va repasser. Non, non. Ouais, je pense pas qu'il soit si bête. Ouais, bah y'en a qui jouent au malin hein, quand on a cassé. Chance qu'il a. Elle a fait exprès de freiner en vrai. Ouais, là tu l'entends là. Regarde, ils sont pas si bêtes. Hein. Salut fiston. Ouais, allez, descends. Descends de ta voiture. Descends de ta voiture. Allez, sinon je te sors moi pas la portière. Allez, non, va voir. Maintenant tu. Ça, maintenant tu. Va voir ma voiture. Va voir ma voiture là. Je vais t'expliquer 2-3 trucs là qui m'agacent. Va à ma voiture. Ouais, ça marche. Allez. Il y a marqué quoi sur ma voiture là? Il y a marqué quoi sur ma voiture là? Et tu peux m'expliquer ce qu'il y a marqué sur ma voiture hein? Sur la voiture Ouais. Il y a marqué quelque chose là? Est-ce qu'il y a, quelque chose de spécial? Est-ce que moi j'ai quelque chose de spécial? Attendez les gars. Ouais. Non, il y a rien du tout. Bon, alors qu'est-ce que tu me traites de backeux alors? Ah, je sais pas, vous ressemblez à des personnes. On ressemble à qui? Pardon? On ressemble à qui? Je sais pas. Bon, bah alors pourquoi tu me traites de backeux en fait? Pourquoi tu me traites de backeux? Est-ce que tu veux que je te traite de. Est-ce que tu veux que je te traite de bandit, moi par exemple? Hein? Avec toi? Ouais, par exemple. Est-ce que tu veux que je te dise que j'en ai marre, que tu. Avec ta famille, que tu traites. Que tu braques au bijoutier avec des masques de clown? Alors, je peux pas. Ah bah, je peux pas. Eh ben, on est. Bon, bref, mon collègue va s'occuper de toi parce qu'effectivement, là, la police. T'as plus de permis de conduire, t'as plus de bagnole, félicitations. 347 km/h.
Donc là, s'il te plaît, la raison, parce que ça je vais t'expliquer. Je vais 340. Allez, vas-y, occupez-vous de lui, parce que lui, apparemment, il sait tout sur tout le monde, il voit tout, lui. Donc nous aussi, on voit tout. Allez, c'est parti. Bah, je sais pas. Je t'avais dit que la RCC c'était une. Vous êtes quoi? Vous êtes rebelles? Vous êtes quoi là? On est tout nous. On est rebelles, bandits, on est tout ce que tu veux. SOS. Ouais, SOS. Ouais. SOS. Ouais. Ouais, SOS. Ouais. Dans le capot. Le capot il est là. C'est quoi ton nom? Mon nom? Ouais. Je m'appelle René Zampa. Ah. Fameux Zampa. Voilà. Ah! Les fameux Zampa! Comment c'est... ça, le fameux Zampa? Bah, je sais pas. On en arrête plein de chez toi. Avec le même nom. Ah, et bon. Comme... Ah, ouais. Alors, tu vois, toi, tu nous reconnais, mais nous aussi, on te connaît, en fait. On va. Je vois. Voilà, bah, ouais. Hein, mauvais jeu, mauvais. Pardon. Hein. Mais je sais pas pourquoi vous m'arrêtez comme ça à la station. Enfin, je. On va te mener directement. Je n'embêtais personne. Parce que t'es recherché. Pourquoi? Ah, je suis recherché. Bah, bien sûr. Et c'est bien d'avoir appelé tes potes. Allez hop, on embarque. Allez, on bouge. Je prends son véhicule ou pas? Non, on s'en fout de son voiture. On la laisse à ceux qui veulent la piquer. On s'en branle. Voilà, t'as bien fait de faire le malin en fait. La prochaine fois, tu te tairas. Ou tu réfléchiras à ce que tu dis. Il a recherché quoi, Interpol? Ouais, chapeau. Ah. On a remis en bas au marchand. Ouais. Ah ouais. Dans le GPS? Oui. Voilà. Dans le GPS, les gars. Pensez-y. On appuie. Hop. GPS, radio. Allez. Bon, c'est réglé. Voilà, bah oui, c'est clair. Allez, on bouge. Ouais, tes collègues. Allez, tes collègues sont pas mal à rentrer dedans. C'est bon, il est rentré dedans? Non, il est pas rentré, attends. Ah, il est rentré, go. Allez, on se casse. C'est pas mal, ton collègue, hein. C'est... Je le connais pas. Non, bah, arrête tes conneries, le mec, il vient armé, il sort avec son pistolet, et tu vas me dire que tu le connais pas avec ton SOS. Tu m'as pris pour un bleu-bite ou quoi? Attends, le mec, c'est pour se placer, il se passe devant nous. Bah ouais, il est intelligent, hein. J'espère que c'est pas ton bras droit, hein. Honnêtement, je le connais pas, hein. Ouais, bah, arrête tes conneries. C'est sûrement le chef de la bande. Ouais, ça va, ah, ça. Sûrement, ouais. Eh les gars, faut revoir vos techniques, hein. Quand tu sortiras... Ils étaient 10 au moins, mais... Bah oui. Il y en a un autre qui arrive derrière. Sûrement, ça reste, hein. Ouais. Écoute, le sirin. Un individu recherché par Interpol, on s'est fait... tiré dessus par un Pax. Du coup, quand on l'a abattu, et là, on se fait suivre par un ML noir. Bah oui, hein. Là, on va rajouter association de malfaiteurs pour Zampa, hein, René, hein, lui qui a ses copains. Ah, mais j'ai tout seul, hein. Ouais, bah le petit SOS, je l'ai entendu, hein, t'inquiète. SOS Sweet Kitty. Ah bon, d'accord. Bon. Prochaine fois, pense à parler moins fort. Je l'avoue. Ah, c'est sûr. Fais-le discrètement, enfin, je sais pas, fais quelque chose. Et comme tes potes, dis-leur de pas venir. Voilà, et tes collègues leur dis pas trop de venir vers moi en fait. Ah, mais de toute façon, j'ai pas de communication là, je peux rien faire. Ah, bah là, tu peux plus rien faire. Non, là, tu peux plus rien faire. Et en plus, ils vont même pas savoir où t'es. C'est bête, hein. Non, là, les marchés nous attendent. Ah, non, pas les marchés là. Ah, si. Nous attendent. Ouais, ouais. T'inquiète pas, je vais m'arranger pour que tu sortes tout de suite en fait. Tu vois, mon petit Zampa. Tu t'aurais tué. Tu t'aurais pas fait remarquer, tu serais pas là en fait. J'embêtais personne, hein, entre nous, hein. Ouais, pas le tirable qui prend le camion. Ouais, pas du tout, pourquoi je vais t'arrêter. Affirmatif. Ah, ok. Et pas, on va t'expliquer. On a semé le ML. Ah, par contre, c'est bien la position avec le Pax chapeau. Mais non, il a pas la suite pour le. Tu te rappelles de la position où on a battu le Pax? Ouais. C'est juste à côté du pont. De Syrah, on va vous mettre un point où on a abattu un pack pour que vous arrêtez trouver l'individu en charge par Interpol. Ouais, j'ai essayé, je suis pas revenu, il me dit, non. Point plus près que de Polyaco. Attends, j'avais le jeté de tourner. Direction le point de Syrah, j'ai égo un tourner à la péage, je comprends l'attitude. Attends, bouge pas!
à tous de Sierra. Les individus sont habillés en noir avec le masque de clown. Un truc anti. Un masque de golf, enfin de hockey plutôt. Anti-moisissure de la chatte. Ça. Et on va où là? Non, on va t'embarquer, t'inquiète. Ça va bien se passer. Tu verras pas le jour d'aussitôt, t'inquiète. Ah ouais, super. Génial. Un peu sur moi, un petit bracelet. Je te répète, je te répète. T'aurais mieux fait de pas faire le malin en fait. Tu peux appeler. Ah, on entend même le ministre d'ici là. Je crois que c'était plus loin. C'est plus loin, c'était par là. Ouais, bon, dans tout cas, c'est sur cette route quoi. Non, pour moi, c'était ici. Hein. Non, regarde, le point il est ici. Le point il est ici. Ah oui, eh ben. C'est long, tu veux pas rentrer dedans? C'est juste avant le pont en fait, non? Moi je sais pas grave. Je leur mets un cercle et ils regarderont en bas. Bon! Pff, Monsieur Zampa! Donc vous avez été interpellé suite à un mandat de recherche Interpol sur votre nom. Hein? Oui, et en plus on va rajouter association de malfaiteurs et tentative d'évasion, étant donné que vos copains ils arrivent. Vous m'entendez? Tu voulais me faire marcher? Ouais, bien sûr. Voilà, on va faire comme ça. Ok, à tous les policiers dans la BA, vous préparez. Ils peuvent assaut la BA quand ils veulent, donc faites gaffe. Allez. Oh, mais c'est... Est-ce que pas? C'est pas très malin. Ah bah lui, il était pas malin. Lui. Oh putain. Lui, je l'ai vu arriver, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je regarde dans le viseur, je suis arrivé, d'accord. Pan. Le baril sur soi, mais il faut être dans l'inventaire et faire use sur le baril pour qu'il remplisse à côté de tir. Ok. Est-ce qu'on barricade des entrées? Non, non, prenez juste une sécurité en fait. Ça marche. Ça, Jackson. Mais respect d'ailleurs, oui. Moi, c'est pas grave, ça. Ton camion. Bon. Monsieur le ministre. Pardon, j'ai pas d'assurance. Ah non, je suis plus ministre. Ouais, moi non plus. Ministre. Procureur général et marcheur de la Cour suprême. Oh putain! Faut que tu me donnes la référence de celle-là en fait. Du FAMAS là. Parce que je veux pas la FAMAS de recrue en fait. Mais c'est celui-là? Ah, c'est celui-là? Mmh. Ah, je crois qu'il y en avait un autre. Mmh. Non, c'est celui-là qui fait un joli bruit, mais bon, en vrai, c'est un FAMAS quoi. Ah. Bon, alors on vient d'arrêter René Zampa, d'accord, parce que il passe à côté de nous, il fait ouais les baqueux. En plus, il écoute de la musique de merde. Donc on le contrôle, 347. C'est une ça. Ouais, exactement. 347 km/h, il tente de prendre la fuite direction Zaros. Ah ouais, quand même. Et là, on entend, il entend en parlant avec nous, il fait SOS. Donc on l'embarque, étant donné qu'il vient chercher après contrôle, chercher Interpol. Et là, on arrête, on menotte, le temps se passe, et j'ai une jolie voiture noire qui arrive à peu près à hauteur du mur de la Bria, avec un mec, Pax, armé, full armé, qui vient libérer son copain. Ouais, il a pas fait long feu, je suppose, celui-là. Bah, il a pas le temps de sortir, en fait. Ok. Donc j'ai essayé de le soigner, mais trop tard. Si jamais ça raide, Yuga. Ouais, alors CPA, j'avais besoin de vous, mais c'était avant. Ah oui, c'est noté. J'y pense. Il y a une voiture bleue. Je sais pas si t'as reçu mon message, mais il y a une voiture bleue qui me suivait. Allez, Yuga, en l'air là. Elle s'est réinstallée depuis sur la colline là-bas. Dommage, il faudra couvrir les entrées là au cas où. Ouais. Tu sais, une voiture bleue avec. Attention à vous, je vais sortir avec. Comment ça s'appelle? Il y a quoi là? Il y a un seul véhicule. Derrière, tu sais qu'il y a. Il y a potentiellement des gens qui vont venir libérer leurs potes. Tu sais, il y a déjà un qui a tenté. Attention à vous, Charles Mel. Gaëtan? Allez, à toutes les unités. Du coup, tu lui rajoutes. Oh putain. Défendez la BA. Du coup, tu lui rajoutes association de malfaiteurs plus tentative d'évasion. Hein. Ça, on peut pas, c'est vous que faut que vous mettiez. Nous, on peut pas. Ah bah attends, il va mettre. Juste que vous mettiez, c'est moi, ça. Ah bah ils vont mettre, dis-leur, Sierra, ils vont mettre. Oui, bah...
Bah tu le mets sur compte Sira. Peut-être Maxime ou de casquette, ouais, enfin je sais plus, moi, Bibi et chapeau là, vous me faites chier avec moi la con. vous allez lui mettre un dossier sur la gueule pour tentative d'évasion et association de malfaiteurs. Ouais, s'il vous plaît, les gars. C'est quoi ça? C'est on a la prime. Mais ça, c'est la. Non, mince, j'ai pas fait le. C'est Jane. Attends, non, excuse-moi, je me suis trompé. Merci. Oui, t'as ouais. Non, tu m'as donné à moi là. Hein? Tu m'as donné à moi. Est-ce qu'il a besoin? Non, je me mets à DD. Bah, tu m'as donné à moi. Je te redonne 270 000. Je vais redonner. Ah, est-ce que c'est un de ses collègues? C'est pas marrant. On a un M4 au-dessus de nous. Où? Sur ce marché. Là, arrête de me faire peur comme ça. Mais tu veux que je fasse quoi avec ça? C'est la pluie. C'est qui? Ouais. Hein? Hein? Donc t'as la Zozo, viens voir Adrien. 8h45, hein, je suis pas grave. Non, garde à vous, Adrien. Ça fait que vous êtes en service, mais. Ah, désolé, mon général, je peux pas respect. Voilà. Donc, respect, je me dois quand même. Non, mais je crois que c'était du mat, Si tu veux, toi. T'as vu? Salut. Monsieur. Putain, enfin là, ça fait 3 jours que j'attendais au gradé de Sierra, là, y'a personne. Bah ouais, c'est normal, on a un boulot, nous, en fait. Ouais, ouais, qu'est-ce que tu veux, Naven? Ouais, je me présente, Enfin, je me présente, tu m'as déjà me connaître. Ouais, bah je te connais, ouais, t'as eu ton casier? Ouais, je l'ai eu, ouais. Là, il est recherché, en plus. Il est recherché par Interpol, en plus. Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me pisser dessus? On a des personnes qui viennent de descendre des tours sol. Ah, écoute, il y a. Ça fait quelques jours que voilà. J'aide pas mal la police, je leur ramène des petits camions, etc. Ouais. Et même que je leur ai donné l'emplacement de mon entrepôt, je leur ai tout donné, je leur ai donné toutes les armes que j'avais dedans. Mmh. Une bonne trentaine d'armes. Ouais. Et Mais j'aimerais bien devenir un tic officiel. Toi? Toi, tu veux devenir addict? Toi, tu veux faire la saloperie, toi? Ouais. Tu veux me péter le cul à moi? Ouais. Non. Tu veux me péter le cul à moi, c'est ça que t'as dit? C'est quoi son nom? Déjà, tu vas me prouver que t'es un bon addict. Pour ça, faut bosser. Allez, va te trouver du boulot. Tu reviendras me voir quand t'auras des idées plein la tête. Oui, mais ça, c'est la police qui met. Ça, c'est pas nous. Ouais, mais pour qu'il. Pour... Non, parce qu'il y a le policier qui est en train de faire sa fiche. Oui, ouais. Ouais. C'est qui le patron, merde? Non. Il est où votre PAX là, merde? Solaire, il est où votre. Clear. Il est où, tour solaire, votre PAX? Ah, de CPA, c'est clear, y'a personne. Ok, bien sûr. Il a plusieurs incidives en tête de. Ouais, Bibi, tu traites le dossier, toi? Ah, fi, j'ai fini, là, j'arrive. Ok. Dumas avec un Z. J'ai déposé la prime au compte police. Quoi? Non. J'ai déposé la prime de capture dans le compte police. Ouais. Ah, tu l'as mis dedans? Ah ouais, moi je mets tout dedans. T'as bien répondu. Dédé, on va où? Je sais pas où tu veux. Ah, je pensais qu'il y avait une affaire. Ouais, non, il y a que deux. Dédé, tu meurs. Transmets.
les taxes a été fait cette semaine? Affirmatif, sauf deux entreprises, il me semble, absent. LCO et Oil. Reçu. Bah, quand il n'y a plus que Jeff aussi, c'est compliqué. Hein. Quand on peut pas leur mettre la pression toute leur vie. Hein. C'est ça. Oh le bandit, je sais pas qui c'était là, mais... faut que je vérifie qui c'est, quoi. Je suis sûr son visage, il a pris en forme de son masque. Hein? C'est de 30 ans pas, à mon avis. Oh mais laisse tomber, il a pris cher. Il a pris la rafale dans la tête, hein. En plus, il y a la vidéo de ça, hein. Ah oui, putain, il était belle, celle-là. Mais en fait, c'est quand même, au moment où je l'ai vu, en fait, t'es déjà mort, quoi. Moi, hey, la bile. Hey, la bile. Mais ici, toi. Mais ici, toi. Putain, t'as cru que t'allais venir à la BA, poser ton hélicoptère, et m'a posé des choses, ou quoi? Quoi? Fais ton travail. Putain, c'est à moi, ça... Putain, c'est à moi... T'es en train de me parler comme ça, là, ou quoi, là? Ouais, ouais, mais putain, mais... Putain. Mais t'es sérieux, là? Je rigole. Quoi? C'est ta voiture, ça? Ouais, c'est ma voiture. La prochaine fois, t'apprendras à me parler. Ça m'a coûté une fortune. M'en branle. Il y a un bouton sabre en plus. Tira, je tira. Anonyme, c'est dur. Ouais, oh, attends. Viens, on va le voir. On était sur toute. T'as pas intérêt d'envoyer un message. Vous avez un hélico, vous allez me faire un check de la zone. Attends, t'as venu pour une merci à toi. Oh, ça, c'est le pas qui se plaint. C'est pareil. Ça a tiré. T'as envoyé pas un message au flic, j'espère. Ah, si t'as envoyé un message au flic. Monsieur avec le turban, t'as envoyé un message au flic. Moi, travailler avec la police. Ouais. Bah ouais. Attends, je reviens. Hop. Je tire pour tous le message à Tira. Channel switched. Channel switched. Ah. Salut, ouais, du coup, il y a Henri qui se plaint que tu l'as tué sans raison. Oui, mais là, le souci, c'est qu'il doit avoir une soma. Ah bah oui, mais nous on savait pas, on a juste entendu le SOS. Bah c'est sûr. Ouais. Ouais, bah, du coup, mais moi j'ai un truc, comment t'as su que c'était moi, sachant que j'étais en vitre teintée, j'étais pas encore sorti du véhicule? Donc voilà, bah du coup pour le coup on dérange pas plus longtemps. Je suis désolé, mon c'est mon été. Ah merci, bon. À plus. Ah ouais. Avec son compte perso, il m'a remboursé. J'ai pas 24 heures. C'est bon, je suis tonton. Et t'es mort. T'as dit quoi? Hein? Tu t'es pris une pastille? Non, vraiment pas. Ouais, t'es, bon, du coup, il a compris le monsieur. T'es passé à l'hôpital en moins de 24 heures? Moi, de quoi? Deux fois. Aïe aïe aïe.
Non mais les mecs. Non mais il faut attendre la tempête les mecs. T'as dit quoi? Il y a Nabil qui a envoyé. Ah oh, pardon, excuse-moi, le lien. Je t'envoie ça. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il disait quoi déjà, Chapeau? Il a marqué, bah regarde sur ton téléphone, il a écrit. Tu verras si je fais un bon indice. Désolé, Ronald. Un peu à l'arbour, mais voilà. Donc, le lien YouTube est. Non, c'est dans la description. Non, je veux pas, merci. Il y a un bouton dans la description, dans la éventuellement. Désolé. A new follower. Ah, c'est là que je me suis bouffé deux balles de deagle par les Albertino. Salut Réa, bienvenue sur la chaîne, merci d'avoir follow la chaîne d'ALF. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour avoir la notification de, en direct de mes lives et de la mise en ligne de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Merci à toi et bienvenue. Merci Raphaël du sub YouTube, merci beaucoup. Bienvenue. Donc tu pourras revoir sur YouTube les reviews que tu as ratées ou que tu souhaites revoir tout simplement. Il n'y a pas de code noir. Ok. Il n'y a pas d'automation. Tu connais, t'as dit ça? Voilà. Ah non, il me notait son pote hein. Non, on a noté son pote, c'est tout. On l'a herse, on a même tatane. Ah, pourquoi c'est le bandit là? Il est venu se plaindre, c'est ça? Ouais, c'est celui qui a mis une grosse rafale. Du coup, il était bien avec lui? Oui. Ah bah alors voilà, c'est bon. Bah de toute façon, hein, il y en a pas 50 habillés en noir avec un masque, hein, c'est les hommes pas. Hein. Gne, je comprends pas, je me suis fait rafale. Bah c'est ça. Bah, c'est le jeu, hein. Bah c'est même pas. Mais qui vient comme une fleur au fusil, là, tout seul, là. Bah maintenant il a compris que quand il est tout seul... Il n'y a pas. Voilà. C'est pas SOS Phantom. C'est dans le mec SOS. SOS. Et après il me sort quoi? Ouais, moi je le connais vraiment pas hein, le mec. Hein. Ouais. Ouais, bah oui. Bien sûr. Il a payé son amende. Aïe. Pense bien que j'aurais pas tiré comme ça. En fait, maintenant il faut les laisser tirer. En fait, on a plus grand droit à faire. En magie, ça, mais j'aurais la haine aussi. Bah t'as vu comment il s'est placé? Bah il s'est pas placé là. Oui, c'est pour ça. Je sais même pas. Et en plus on s'est sortis tous les trois, on a attendu qu'il tire en premier, il serait quand même mort. Sûrement un procès. Moi j'aurais pu l'interpeller aussi hein, du con. Mais bon, je croyais vraiment qu'il allait sortir de nous défoncer en fait. Et au final tu as défoncé avant. Bah ouais. Moi j'ai cru qu'ils étaient trois au moins parce que... Moi aussi je me suis dit putain il vient à je sais pas combien. Et là tu vois un petit mec là, pouf. Le pire c'est que je m'y attendais pas hein, à ce que tu tires. Non mais, bah bref j'ai pas réfléchi en fait, enfin j'ai pas cherché à comprendre en fait. Quand j'ai vu la tenue de clown avec l'arme, et enfin c'est tombé quoi. Je dirais je défonce quoi. Et qui était en plein... problème c'est que... Ouais mais tu sais pas combien ils sont dans la voiture. Le mec était en train d'ouvrir sa portière que déjà il était mort quoi. Déjà. Fini. Là ça fait comme tout à l'heure nous hein. Bon, on était pas malin non plus avec le L4 hein. On a allumé le L4 alors qu'on a pas regardé autour. J'ai envoyé un message en privé. Oh mon dieu. Il y a ton collègue, on se fait un tête à tête maintenant. Je le casse en deux. Vas-y qui? C'est Nabil qui a écrit ça.
La bile. Ouais. J'ai pas de charge explosive sur moi. Dans sa Audi. Y'a rien. Passe rien. Y'a pas des petits rebelles là? Y'a rien du tout. Je pense pas que la zone pas va être famille à problème en fait. De quoi? Bah je les connais pas. La zone pas, il se place comme ça, ça va pas être compliqué hein, pendant un gunfight. Ouais. S'ils viennent tous à côté de toi, sans couverture. Ils vont tous être autour de la négo. Et le TE il va être à 100 mètres. Être 100 mètres au milieu d'un champ. Non, en fait, il va arriver en voiture au CAC. Avec en plus, ils sont bandits donc ils ont pas de TE à part des watts ah de 1000. Ouais. Attends, ouais? Ouais, mais le watt de 1000 c'est du 6.5 le TE. Ouais, mais le watt de 1000 il couche, hein, non? Couche ouais, mais pour mettre commun, faut mettre en 2 balles. Et pour pas qu'il se relève, 3. Oh. Les balles sur du 700 mètres, hein, même pas. Hein. Après, au-delà, tu mets du en chargeur gros pour coucher. Ah bon. Loin les collègues là, au cas où. Ah ouais, hier aussi, il y a un mec de la hall qui s'est plaint parce qu'on lui a retiré sa licence de sécurité. Ah. Ah ouais. C'est pourquoi? De la hall. Ouais. J'en passais. Ah ouais. C'est bien fait. Ouais. Expliqué pourquoi? Non. Parce que il se baladait en armored. Hein? Un SUV armored et il comprend pas. Et du coup il voulait voir la personne qui lui enlevait son truc, donc casquette. Et j'ai dit à casquette qu'il peut voir avec lui. Et j'ai pris le numéro du DRH. Et y a pas à voir en fait, ça sert à rien ouais, de voir. Ouais, j'ai dit ouais. Comme ça. Il a dit ouais, y a pas moyen au moins d'alléger son truc, de pas lui enlever son truc pour sa carrière de sécu. Non. J'en passe. Il a pris une amende au moins. Je sais pas, c'est casquette qui gérait ça. J'étais en hélico dessus. Parce que s'il a même pas pris d'amende, il devrait s'estimer heureux. Ouais. Un blindé quand même. Ouais ouais. En plus il y avait un mec en plus à côté. Un civil qui pas était. Genre c'est pas genre une voiture GoFast hein. Non c'est un armored quoi, c'est un truc blindé quoi. Et blindé bien utile vu qu'il a toutes les portes ouvertes. Ah oui il a pris celui-là en plus. Ah c'est... Y'a que lui hein. Ah ouais. Ils sont cons. Passé. On va regarder s'il a un casier. Non il a pas de casier. Il a ramé. Il a de la chance. Ouais et en plus il se plaint. Le champion. Je crois que la vie c'est un kiwi c'est tout. Le champion, le champion. Merde. De route. Donc le René là, il était connu pour quoi lui, meurtre tout ça? Ouais, violence physique, tout ça quoi. Oh. Et puis bon, c'est pas présenté pour sa peine, etc. Donc recherché par Interpol. Billy m'a envoyé des coordonnées. 073 124 3 camions plein de tabac, venez. Plein de tabac? Ouais, c'est là où il y a Stallone, si tu préfères, vers là où il y a Stallone environ. Ah, 073 124 324 Ouais, j'ai mis un point. Il m'a donné ses coordonnées, il y a 3 camions de tabac. T'as mis le point? Ouais, il y a Stallone et France Redu. C'est ton indique, Nabil? C'est quoi? C'est ton indique?
Ah, je sais pas, non, c'est pas le mien, c'est juste qu'il m'a envoyé, il a mon numéro apparent. On a changé de canal là ? Ouais, mais. Je sais pas. Vas-y, attends, je vais... attends, Pierre, je vais envoyer un message. Police, continue à rouler. Et on est sur TP. Mais il se fout. C'est pas grave, c'est pas grave. 3 camions. Erzaros. Je dis préparez-vous. Un check de la zone quoi, non? Je sais pas, ça peut faire un check de la zone par CPA. Il y a pas un CPA là? Si, il y a CPA. D'abord CPA, après... Restez autour, je mets. Ouais. Non, bah interpellé. D'abord check de CPA, non? Ouais. Pour confirmer les infos indiques. Reste quand même une info indique, donc... Ah, check avant, je vais noter. Pensez à... Je dis encore, mais pensez à enlever les GPS, c'est ça? Ouais. Ouais, mais en fait, je comptais le faire, sauf que je crois que tu l'as embarqué à ce moment-là. Je l'ai pas fait, quoi. Ça, ça évite des... ça évite des rushs comme ça, en fait. Quoi? On a quoi? Quoi? Une plante? Une plante. Ouais, ouais, tu peux... Une vie qu'on a. Non, 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 laisse-moi tourner. Aïe, ah, Donc le verrou, non. Entre, ils vont où là? On leur dit qu'il y a un truc, je sais pas, ouais, ils vont vers nous. J'espère qu'ils pensent pas que c'est vers nous. Je crois que j'ai mis pas 3 camions, je leur ai dit que c'était vers Zaros. Il y a Dush à côté, hein. Ils sont perdus, t'inquiète. Le civil se casse apparemment. C'est, ouais, c'est, ça pue le traquenard ce truc là. Traquenard, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Ça pue le traquenard, les gars. Game. Stallone, Dush à côté. Stallone, Dush. Les deux là à côté. Hein? Ils connaissent les deux là? Non. Le Rakai, ça se connaît après là. Non, parce que s'ils se connaissent, on va les voir. Le problème, c'est que des fois, ils passent s'allier pour nous baiser en fait. Parce qu'ils veulent nous baiser, hein. Ah oui. Ils ont clairement nous baiser. Pour info, Nabil, il est, il fait semblant d'être en go fast sur le, la zone. Castor. Gentil. Non, il est sur le zone, hein. Il est sur la zone. En L4. T'es en train de chanter Prince Castor, là? Non. Hein? J'ai compris Prince Castor. Raconte-moi une histoire, oh Castor. Oh putain. Oh putain. Merde, ah ouais, tu pues la merde. Oh, putain, ouais, je confirme. Oh, là, là, là. Tu pues sacrément bien la merde. Oh la honte. Oh la honte. Si ça se confirme, je casse toujours dans les moments qu'il faut. J'avais ce viseur là, et je vois le clown à travers. Prat. Free kill. Avec mon viseur, tu l'aurais encore mieux vu. Hein? Ah bah là. Bah là, je peux pas me louper. T'auras pu voir même s'il avait les yeux ouverts ou pas. Hein. On est combien là? On est pas beaucoup là. Hein. Ça va. Mais non, ils font une douane les autres. On est 14. Qui fait une douane? Non, mais les autres ils font une douane pendant qu'on a besoin d'eux, mais bon. Bon, c'est pas grave, ils sont. C'est pas grave, ça suffit. J'ai mis deux traceurs, il m'a marqué, j'ai mis deux traceurs. Attends. Deux traceurs sur les camions des rebelles au cas où ils partent. Et il connaît les bases du métier quoi. C'est pas compliqué hein. Ah y'en a qui font même pas ça. Ah y'en a ils se disent bon 15 000 dollars ça me fait un peu chier. Ouais. Ah y'en a qui sont à 15 000 près alors que c'est une de mes premières pour le site. Ici. Ah bah putain ils ont encore cassé eux.
Ah bah tu vois, y'a pas que nous. Mais nous, nous on casse pratiquement pas quoi. Obel d'Altis, personne ne bouge. Si on croise un camion, on leur tient informé qu'il y a. Il y a un camion. Il a. Apparemment, on a croisé un camion. Le camion du civil là. Il reste du coup les deux rebelles. Avec évidemment Stallone. El Famoso. Hein. Celui qui va nous lancer une soma comme hier alors qu'on partait. Ah non, hier, c'est ce qu'il a fait d'aider Stallone. Ouais. Il lance une soma parce que t'es sur des camions de tabac. On se casse, ok. On a 3 km, il nous tire dessus. Okay. Le champion. On va croiser Stallone là. Je crois qu'il a pas compris que les sommations en fait c'est pour que les gens y partent. Ouais. Mais lui il a un hélico là. Et c'est pas pour continuer de combattre. En fait. Ouais. Bah en fait il a pas compris. A tous de DDR, attention, risque de scorpion sur la zone. Il y a la. Il y a la balise de Stallone qui est prochain. Faites attention que ce soit pas un traquenard. Un traquenard. Bien reçu de Central, on vous laisse avancer. Bon bah je suis prêt pour prendre mon troisième palier, c'est parti. Ah ok, ok. Reçu, reçu. CPA de Sierra. Ah, c'est nous. Ah non, non. CPA, vous m'en sauvez. Faites-moi une com longue à CPA de me chercher Stallone. Dis donc, tiens, Stallone. Pose au camp magique. Passez canal 1, s'il vous plaît. Ils sont où là? Ils sont où? Stallone? Ouais, ils sont juste à côté. CPA de DD. Je sais pas. Il t'a répondu, CPA, vous me recevez? Affirmatif, mais très mal. Bon, c'est pas grave. Objectif prioritaire pour vous, Stallone. Il est en hélicoptère, il est recherché à Interpol. Ok, c'est reçu. Déjà, on n'arrivait pas à le choper tout à l'heure parce qu'il était déjà en L4. Là, il est en L4, donc okay, c'est à vous. Les camions. Ouais, moi. Ok, c'est bien pris. Ah, y'a un camion en face. Le troisième civil a été forcé à revenir pour les aider à remplir leur camion. Attends, attends, mais là, y'a un camion juste en face, donc on va checker. C'est bon, unité terrestre de DD. C'est là pour DD. Transmet. Y'a un petit souci, c'est que. Oui, j'ai vu. Vous attendez qui sort. A tous, 2 DD. Camion, hein. Moi aussi dedans. Il y a une voiture dans le truc là. Ah là, ouais. Là, à sa gauche. Pour enfant. Où ça? A tous, vous m'en savez? De CP1, bonsoir. Ouais. Dans mes autres unités. Apparemment, ça serait des scorpions qui sont en train de remplir. Hein. CPA, on va changer d'hélico. C'est CPA de DD, faites-moi une com longue. On a des camions et des voitures scorpions sur notre position. C'est bien pris. Projet pour la plaque. Y a de l'illégal dedans. Moi, je prends la plaque déjà. Simon Lorenzi, ça vous parle ou pas? Simon Lorenzi, ça parle? C'est quoi? Simon Lorenzi, ça parle? Unité terrestre de DD. Bon, apparemment, on aurait déjà des camions et des voitures pleines de tabac sur notre position. Vous foncez sur le champ de tabac. Il y a pas okay, 4 scorpions déjà sur la zone. Qui contrôlent la zone. Il y a 4 scorpions qui contrôlent la zone sur le plan. Attention, 4 rebelles full armés hein, sur zone. J'ai cassé. Quoi, t'as cassé? Il y a rien dedans. Absolument rien. Ok, je prends la plaque. Pareil, c'est Simon aussi. Ok, bah vas-y, on y va, non. Y'a quoi? Y'a rien dedans? Y'a rien, y'a rien. Y'a rien. Ouais, on se casse. Je sais. Ça serait des scorpions. Écho 2 commencer à venir sur notre position. Ce serait des scorpions? Faut qu'on se passe. Apparemment, il m'a dit, Nabil, il m'a dit c'est des scorpions. Il m'a dit qu'on fait semblant d'arrêter. A tous de DD, confirmer scorpions sur place, hein. Scorpion. Bien reçu. On interpelle. Et a déposé l'hélico, il est à terre en ce moment. Reçu. Donc on cherche les autres. On va le forcer à sortir.
PA plus 90, ça va lui faire du mal à Stab. Les gants, nous arrivons actuellement sur la position des trois canards. Au sud, nous sommes en appui TV. De l'autre côté, on aura plus de. Ah non, remarque, on peut se mettre ils un peu plus. Ah, c'est bon, ça. Ils veulent se barrer. Pour information, ils veulent se barrer, les scorpions. Remontez, on va placer une herse. Autant, ça sert à rien. Ça se barre derrière. Ouais, vous êtes interpellé là, vous interpellez direct. On va passer vers l'entrée au cas où. Ah ouais, pointé. Ouais. Ok, vous les interpellez, vous les forcez à se rendre. On a avec un mec habillé en sable qui arrive sur vous. Ok, on a deux messieurs sur nous, deux packs. Allez, vous les interpellez direct, vous cherchez pas. Reviens en sécurité, les gars. CPA, vous jouez au niveau stade. Affirmatif, on est en direction. Ok, ça se rend sur place, ça va ? Sur place, on a trois rendu. Personnes avec les mains sur la tête. Ça refuse de se rendre chez nous. J'ai un scorpion qui s'est rendu. Ok, vous les faites se rendre. Vous leur dites qu'ils sont encerclés, ils sont finis là. Affirmatif, c'est ce qu'on dit, mais ils nous disent qu'eux aussi sont. Que eux aussi ont des mecs partout qu'on a encerclés. Ils refusent de mettre les mains sur la tête. Allez, on check. Il y a un Veldo planqué là. Où ? Juste au-dessus, en face de nous. Combien de mètres ? Il y a un TU. Il y a un TU quelque part. Attends, je vais regarder où est-ce qu'il est VL. Vas-y, mais il est juste en face de nous. Vas-y, mets combien ? 1245. Ah, tu me chopes le TE. Dédé, il y a un TE. Il y a un TE. Ouais. Refuse de se rendre. Bah, vous les faites se rendre. Vous leur dites c'est leur vie et par un d'autre là. Faites votre suite. Pour info, il y a un véhicule sur la montagne. Je vois pas le véhicule là. Juste en face, en 245 DD. En 244. Juste en face. Au niveau des rochers là. Vous me notez pas les gars. Visuel, Bibi. Vas-y, 1238, c'est Darkly. C'est le zigoto qui montait, je l'ai en visuel. C'est le zigoto qui montait dans le cap tout à l'heure, Azimut 238. Combien de mètres ? Ouais, il veut rien entendre. Ok, vas-y, je vais le faire. Oh, ok, vous attendez, on va se placer en TE, on va choper le TE. Et quand je vous le dis, vous faites les sommes. 724 mètres. Oral ? Ah, fille, quand je vous le dis. C'est reçu. Vas-y, je compte sur toi, mon champion. 424. Rodriguez recule, quant à l'étal. Il bouge. Combien de mètres? Il reste vers les 400. Il est vers les 400. Il est à 420. Je sais pas, est-ce que vous avez des positions de TE sur carte? Tu peux y aller quand tu veux. Je le mets. Allez, vous faites les sommes orales. Allez, c'est simple. Si tu te rends pas, ça va partir en bain de sang. Voilà. 3, 2, 1. On a balle TE. Vas-y, tire. C'est menotté sur. Il est où? J'ai touché. Mais je le vois pas moi. J'ai mis une tête, j'ai touché. Non. Ok, t'es abattu, à vous de jouer. Il y avait un truc devant lui ou. Je sais pas, on dirait, mais apparemment je l'ai touché. Je prête main forte au collègue. Il se relèvera pas. Hein. J'ai mis une balle tête. Allez. On va pas se rendre. Bah tant pis pour eux. On va pas discuter 15 ans. Information sur vous, messieurs. Zira, ok. De CPA, est-ce que vous avez des positions de Pax ? Négatif, tout est sur le champ de tabac, TE abattu, je vous laisse Stallone. C'est bien pris, bah Stallone, du coup, on peut que attendre pour le moment. Vous récupérez le numéro de téléphone sur les Pax du champ de tabac et vous dites à Stallone de sortir. Pour information sur position Gunter, on s'est fait tirer dessus alors que celui qui était sur négociation était à terre, donc il y a encore des mecs autour. Reçu. Allez, CPA, vous me faites un check thermique. C'est bien pris, on... Il va rater, y a un mec qui est placé dans les. Je crois que ça tire vers là où on était, vers l'entrepôt. Pour info. Ah ouais, ok. Je pense, hein. J'ai entendu le tir vers l'entrepôt. Hein. Du côté vers là-bas, quoi. Okay. Vers les collines, sur les collines.
J'ai aucune info de où il est, mais il est dans les collines, il vient d'abattre. J'ai besoin de renfort du mas sur ma position. On va peut-être faire back. Ouais, faites gaffe d'un haut. Restez planqué sur le chantier, CPA fait un check thermique. Fais gaffe qu'il s'est pas relevé l'autre hein. Et je vois pas toujours pas l'autre. Hein. Rodriguez. Rodriguez quoi? Il s'est pas relevé du coup le mec que j'ai mis comment? De CPA on a localisé un VL, c'est... ça a été mis sur carte pour Pax Rouge. Ok, ça veut dire qu'il est vers là-bas. Ok. Il est là-bas alors. C'est pour vous les gars. De la montagne. Attends, est-ce que c'est la colline qui est à côté de nous ou l'autre? Non, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est... Mais c'est pas possible qu'il ait pu tirer sur eux là, d'ici. Si c'est un T aussi. Il est de l'autre côté de la... Non, ça tire à droite. Ça tire. Des Gunter pour Syrah. On se met. Il y a un mec qui a de la hauteur sur le champ de tabac, on pourra jamais lever notre tête. Niveau de Rodriguez, il y va. Reçu, on va check. C'est reçu. CPA, je vous mets une zone. Bien pris. Elle est large, mais c'est la zone. Une deuxième zone large a été mise. On s'est fait est-ce qu'on a autorisation d'utiliser le Lynx sur l'infanterie? Merci. C'est bien pris. Ok, mettez-vous en couvert derrière les camions pour les positions sur le tabac. Reçu. On est en position, on attend les renforts. S'il y avait pas un truc bizarre devant lui, il était valide instant. Ouais, bon, pas grave, il est down. Une balle tête, une balle jambe. Il me faut l'autre. Hein. Écodeur arrivé sur lieu, info. Nous aurions besoin, c'est bon, je l'ai. Faites attention à vous, besoin d'extraction sur 143. Sol en haut des collines, nous sommes pris sous les... 143, il y a la voiture. Faites attention. Ah ouais. Mettez ouais, les poses là. Il est où le mec? Je vois pas le mec, hein, pour content. C'est pas un truc bizarre. Sur position 3 camion, on a besoin d'une extraction. Ok, TE trouvé. Colline 116, 117, 102. Permission de... Bah on va aller dessus de... Réitérer okay. La position. Colline 106, 107. Vous me trouvez là? Attends, je mets un point VL. Je mets un point VL dessus. Colline 106, c'est où précisément, s'il vous plaît? On voit un point VL. C'est le point VL confirmé? Appuie. La CQ sur 20. Je pense que le mec il est loin de son VL un peu. Hein. Il est tout décalé. Oui, largement. On pourra pas le voir vu que ça fait un truc bizarre de loin. Un mouvement. Il y a un VL. VL qui arrive sur zone. Hein. Besoin de renfort sur zone là. Tu me trouves ce putain de TE et tu me l'abats là. Affirmatif. Ok, c'est une personne qui est avec un pistolet. Non, très c'est bon, c'est bon. Stop feu. Ok, vous prenez tout le monde, on arrive de Syrah, on va extrader tout le monde. Bien reçu, de Dimmer, cercle sur carte, là, il y a un pack sur un buisson.
Ah bah il est là-bas. Vas-y, pour toi. Là où il y a le VL, à côté du VL, tu confirmes? Non, il est dans un buisson à côté d'un caillou. Mais où? Ah. À côté d'un caillou. À côté d'un caillou. VL, là, tu... Ok, ok. Juste là. Par là, non. Il a mis un cercle. C'est d'un caillou. Tu vois, Dédé? Moi, je vois rien du tout. Moi. Vous avez visé ou voulez que je le fasse bouger? Non, je voudrais bien que tu le fasses bouger, on voit rien. Nous. On va arriver c'est... dessus, on va arriver dessus. C'est juste en face, là, Dédé. Viens voir. Bon. On va pas. Par contre, là, ça tire. Hein. Ah, c'est ses pères. Vous qui shootez? Non, c'est père. Fais gaffe, la VL sur. La gauche. T'as l'impression que ça shoot derrière nous? Hein? Ah, c'est les alliés, c'est les collègues. Vous l'avez? Ah, je l'ai vu. Il est où? Il est juste là. Où? Comment? Juste en face là. Putain, j'ai pas l'azimut. Derrière l'arbre. T'es gaffe, il est juste derrière ton caillou, il est juste derrière le caillou, il est. En dessous, il y a des petits rochers. Et ben là où il y a les collègues. On est juste là. Ok, me notez, dites pas à la sécu de. Dites à la sécu de rester, s'il vous plaît. Mon collègue. Ah, il s'est relevé. Genre. Où ça? C'était traité le TE? Affirmatif, traité. Un dommage. T'en as pas du tout les collègues sur zone 2. Allez, on dégage. On dégage. Deux civils et un pack se menottés sur position au milieu des camions. Attends, y'a un VL là. Y'a un VL là. T'enfuis. Où? Ouais, c'est normal. C'était la meuf au taser qui courait, on sait pas pourquoi. On va commencer à soigner le pack abattu là dans les rochers. Okay. Delta, on arrive sur vous. C'est bizarre, Stallone il est parti de l'île. Non. Vous avez plus de position de pack, ça déploie pour le moment. Il a le CPA, on a un VL en dessous de nous là, actuellement. Quel modèle c'était en point? C'était des civils qui sont venus, ils sont repartis tout de suite. Les collègues, à la cavalerie, on l'a interpellé, Stallone. CPA, vu que la situation est clean, vous pouvez aller à Kavala chercher qui vous savez. Ouais, mais mal. Ah, il est à Kavala, ok. Fais un check le thermique avant de partir quand même. Il a déco. Fais ça sur les collines où il y avait les teux et tout. Ouais, bah laissez tomber le câble là. Vous avez un VL qui arrive sur votre position d'ici 15 secondes. Dans le nord. Un VL. Où? En tout cas, c'est des sacrés pneus, hein, c'est des 315. C'est les codes qui venaient. Allez, pour information, Stallone est déjà sorti dormir. Ouais, j'ai vu. Un Dédé? Ouais. Il y a toujours le VL du sniper en là-haut. Nissan GTR civil qui arrive, qui va passer jusqu'à Zaros. Ouais. Reçu. Donc vous là, monsieur, je vous démenotez, vous allez me donner les clés de votre camion. 64 630. Charlie, est-ce qu'on a une PMA active? Négatif, demandez à un médecin sur position. Coup de feu sur zone. Baissez-vous, monsieur, je c'est bien, vous me faites un chèque thermite, tire au niveau du sud. Reçu. Vas-y, on y va. Ah, ça tire au silencieux en plus là. Ouais. Attends. Oh, mais putain, mais c'est quoi ça? Attends. Voilà. C'est bon. Ah, mais attends, mais c'est pas possible. C'est mon arme qui déconne ou. Ah non, c'est bon. Vas-y. Oui, là il y a le VL de notre collègue.
doit être bien au-dessus le mec, c'est pas possible. Tu penses qu'il y a un mec ici? Ouais. C'est possible, non? Tout est possible. Je vais check, hein. Ouais, mais tu peux pas check derrière les trucs non plus. Ouais. Un VL. D'ici, on a une bonne visu là. Personne. Je pense qu'on est bien des shoots. T'es sûr? Le super RAS hein, sur le l'auteur du tir. Monsieur. J'en avais pris une charge zone il y a même pas une minute. Bizarre ça. Si c'est pas ils ont rien, ça veut dire qu'il est dans une baraque. Ou dans des bambous. Ou ouais. Dans le bambou. Comment ils se mettent dans les bambous, c'est fou. Un VL qui arrive à 10 minutes 89. On le voit plus d'ici. Parti à gauche là-bas. Il arrive de la colline là. 89. Ouais, regarde, je t'ai mis une flèche sur carte, il faisait ça. Sierra pour CP, regardez la flèche, il y a un véhicule qui vient de faire ça. C'est une CLA noire. Ouais. Vas-y viens, on se replace pour voir la CLA. On va se placer un peu plus haut comme ça on a vision. Dédé, t'as un gilet? Ouais. Ou pas? Je suis mauvaise. De Charlie, on a un Pax réanimé sur notre position. Ah ouais. Rachel. Ah mais c'est pas la CLA du civil? Je sais pas, elle revient donc bon. 89 là, c'est ça? Elle était juste en dessous là, elle vient de passer. Ah. Bah c'est pas celle à Mundir là ou je sais pas quoi non? Mundir l'aventurier là. On parle de Nabil. Ouais. Nabil il est sur zone, il s'est fait arrêter. Enfin, on fait une fake arrestation. Il y a une moto sur zone. Bizarre. Civil sur position. Bizarre quand même le shoot. Hein. Purée. Je sais pas où il est, mais. Qui? Position gun, je me suis fait tirer dessus depuis ma VL. Ça a visu sur le champ de tabac. Et donc ça tire vers là-bas. Est-ce que tu as une direction?
Vers le nord. Bon, c'est pas à faire votre travail, j'ai un VL là que j'ai resitué sur la colline. Cercle noir, à l'est. Oui, le VL noir, non? Blanc. Oui, cadeau pour lui, est-ce que l'on y retourne? Fait du bon, faut c'est des petits calibres, je me suis pris 3 balles, je suis même pas blessé. Ouais, ou alors il est loin. Il est un très, peu, très bas calibre. M4. On va trouver ce gars-là, il nous faut qu'il faut qu'on prenne des conducteurs là, il nous faut plus de conducteurs. Ricardo pour lui, est-ce qu'on y retourne? Ah, ok. Où il peut être en fait? Il peut être en bas de nous, hein. En vrai. Hein. Il peut être positionné juste en bas. Hein. Ouais. Il vous faut qu'on mette chauffeur en bas? Qui c'est qui a été touché? Gunter, mais du coup j'ai pris aucun dégât. Reçu. Ah, ce VL là, ça fait longtemps qu'il a été traité, le véhicule blanc. Bizarre quoi. Ouais, bah je prends des balles de là-bas. Hein. Véhicule blanc? Quel véhicule blanc? En véhicule face. Dans la vue, là où j'ai mis pour mon point VL tout à l'heure. En 116. C'est mon point VL qui a disparu. Il doit être dans les environs. Un de sa vie, bonne. Il peut être. C'est fou ça, hein. J'arrive pas à voir. Hein. C'est sur le véhicule blanc. Bon, Sira, à vous de bouger là, lui choper ce sniper de merde là. Bah, on regarde au chouf depuis tout à l'heure en hauteur. Là, on de CP1, on a tout checké, vraiment rien. T'es dans un bâtiment, on check les. À travers le détecteur, on bouge. Allez, on bouge. On va faire les maisons. Ça marche. Ah. Attends, moi je vais venir avec toi. Attends. Non, reste là, vous restez là. Vous restez là. Si vous partez tous, y'a personne qui surveille, je vous rappelle. Hein. S'il faut commencer à évacuer les packs déjà, on prendra les camions après. Oui. D'amener les packs, c'est foncé là. Ah, dans la maison à droite là. Dans les longeurs de droite. Okay. Ils ont bisu déjà. Allez, on prend la VL, on part avec les packs. À gauche, voilà. Attends. Je crois que je grimpe en VL à droite. Hein. Si je deviens fou, mais. Je deviens peut-être fou. Ouais, pour le coup, je pense aussi. Si, vous avez rien dans le crâne. On a que dalle là. On va faire la sécurisation des bâtiments, hein. Peut-être dans les bâtiments. Info, ah, ok, c'est ma position. Ouais, c'est à côté de nous. On a le mec dans un. Allez, on fonce. Vous voyez on PE. Info, combien de mètres? Oh, il est, hein. Pause, il tire en dessous. Ok, il est où, j'ai l'un de 846. Enfin, 850. Max à terre. Voilà, enfin. Là, on le voyait pas, lui. Il y a du Maz et Gunter, on évacue les. Gunter, tu me reçois? Ah, ouais. Fille, mais je suis blessé. Allez, on va sur la position du tabac là. Allez. C'est bon, Denis? T'entends pas. Fort qu'on récupère. Affirmatif, j'ai été menotté. J'arrive avec la voiture.
Il va falloir une évac, c'est mon chiste. Ah, il a une trousse à outils, Nabil. Ah bah bravo. Mais bien. Bah, c'est mais moi maintenant qui vais me mettre bien. Ah, mais putain, c'est bon, alors du coup, faites bien gaffe au buisson, c'est le deuxième mec que j'ai chopé dans un buisson, les gars. Ouais, mais de CPA, t'as un mec qu'on voit pas à travers le buisson. Bah, faut voler plus bas. Pour tous de Dumas et Gunter, on s'évacue avec les personnes. Ma fille, il nous faut juste un conducteur encore. Il y a que les camions, c'est ça? Vous avez les clés ou pas? Il y a Gunter, tu retournes sur zone, donner les clés des camions. Ah, fille, mais il manque juste un camion et c'est un camion de la Scorpion. C'est le Volvo. Bien sûr, on va essayer de le choper. Pour tous, ah, c'est il faut une unité pour revenir sur ma position pour m'escorter jusqu'à la... jusqu'au lieu de traite. Je donne à qui? CPA, vous me recevez? Ah, tout là, donne-moi les à moi, je lui donnerai pas. Voilà. Négatif, vu qu'ils ont reçu des tirs. DD, reprenne notre véhicule et on a besoin de quelqu'un d'autre encore. DD? On a besoin d'un. Répète. On a besoin d'un mec en plus encore, hein, pour prendre la, la celle-là. Là. Non, on pourra pas tout prendre là. Hein. Attends, il y a un véhicule où il y a deux personnes qui arrivent. Il faut encore une personne. Hein. Bon là. Mais en fourrière. Ouais, le reste on met en fourrière. Celle-là là. Ouais. Il doit y avoir du tabac, non? Bon. La bible. Ouais. Go. Et hop. Bon, il doit être à 10€ le jeu, Royal, à peu près. Négatif, faites-le, je suis en train de conduire, je peux pas là. Mais après le problème c'est les add-on en fait du jeu. Il y en a 6 ou 7. Plus un 8ème qui sort.
Vas-y, fonce. Ah, fais gaffe, il te manque un peu d'essence là, je crois. Mais je suis en train de pomper l'essence à la voiture là. Ouais, je vois ça. Je m'étonne pas de toi, ça. Ouais. Ah, t'es un pompiste, toi. Je suis un pompeur. Bon allez, c'est parti. Attention, il y a un caillou. Hein. Passer devant, j'ai des gros soucis.
Ah ouais, quand même. Ouais. Tiens, ouais, t'as un scorpion qui arrive. Ah. Ah. Bah, va falloir vite. Sans deck. Non, le temps. Ah oh, oui. Ouais, non, mais en 15 minutes, faut le mettre rapidement en prison. Ah non, je le fous pas en prison. Ah, tu le fais directement ici. Équipement illégal, accusation de match trotter en bord. Il y a un problème. Tentative. Ah. J'ai que du stun. Ce que vous direz. Ça pique moins un scorpion. Ce que vous direz pour essayer d'utiliser. Pardon, monsieur. Quoi? Pardon, monsieur. T'as pique moins un scorpion, les mains attachées. Hein. Ah, vous les trolls, bon, mais vas-y, mais... Déjà, monsieur, on vous sent pas des amis, donc vous ne tutoyez pas. Non, mais toi, déjà, t'es pas en position de parler, déjà. Bah non, criminel, on se vous voit, c'est une forme de respect. Quoi, déjà, t'es pas en position de parler, tu vois ce que je veux dire? Je suis en position de parler. Non, t'es en position de rien du tout, en fait. Bah, je vous garantis que si. Non, tu vas aller en prison à vite, hein, c'est tout. On n'est pas des amis, donc vous voyez. Bah justement, on n'est pas des potes, t'as bien compris. Hop, garçon. Monsieur, vous me tutoyez pas. Hop, eh. T'appelles pas quand on était à l'école ensemble, quand tu chies dans ton ben, quand fallait que je te change tes couches? Tu disais pas ça, hein? C'est monsieur. Donc vous voyez, on coopère, y'a pas de soucis, vous faites ce que vous avez à faire, mais non, mais tu écoute, mais je vais te tutoyer si j'ai envie de te tutoyer, fiston. Monsieur, y'a un limite de respect, hein, moi. Ouais, bah le respect je l'ai, c'est pas parce que je te tutoie que j'en ai pas. Bah ouais, j'ai crash là, ouais, j'ai envie de là. Exactement. Tueur de flic. Tueur, ben alors monsieur, alors là, je me tais. T'es hors de flic, t'es une racaille. Ta place est dans une boîte en bois sous terre. Exactement, t'es un tueur de flic. T'es une racaille. Exactement, fais de l'illégal. Une racaille. Continue à cracher sur moi, vas-y, c'est bien. C'est lequel, c'est pour toi. Cracher sur toi? Ouais, exactement, regarde. Ah, c'est bien. Vas-y, c'est bien. Oui, c'est bien. Bah oui, continue. T'as la haine. Non, bah... Si, t'es énervé, là, je te sens énervé. Ouais, je suis... Je te sens énervé. Ah, pas du tout, là. Si, je te sens énervé. Eh, tu me tutoies pas? C'est un peu lourd, quand même. Tu me tutoies pas, s'il te plaît? Ça s'est passé où? Bah, il souffle, il veut souffler. Ouais, mais maintenant, c'est trop tard, j'aurais pas le temps d'aller voir. C'est bête. Tout ça, quand même. Pour rien, on commande pas tel à Yadjou, là. Non, il m'a saoulé, lui, par contre, avec un soufflé, là. Ah ouais, ouais. Je te souffle encore. Vas-y, passe-moi ta carte, s'il te plaît. Tu souffles, on souffle dans ton cou. Tu fais quoi, là? Faut que tu t'habitues, en fait. Bon, tant pis. Prévenez-nous la prochaine fois, hein. Attention. Si. Prochain souffle que tu souffleras dans ton cou, c'est les détenus, en fait. Mais oh, tu vas te détendre avec moi. Envoie un petit message à la fin. Si, tu vas te détendre. Et tu vas faire quoi? Ah bah, tu vas vite comprendre. Ouais, bon, on va voir. Ça dépend lequel. Un marshal, s'il vous plaît. Quoi? Un marshal, s'il vous plaît. A new follower. Et du coup, tu peux envoyer un petit message à la police avec ton prénom et ton nom. Ah, c'est nouveau ça, tiens. T'es nippon. Oui, bah, exactement. De toute façon, tu vas avoir ça à faire quelques années, en fait. T'as pas compris, en fait. J'en ai aucune idée. Attends, faut que je sois avec quelqu'un. Ah, marrant lui. Tu vas t'éclater avec lui. Pas du tout. C'est celui-là, hein. Je crois que c'est celui-là. Hein. Salut TLTPon, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne mon ami, bienvenue. Et n'oublie pas de Discord pour avoir les notifications du lancement de mes lives et des mises en ligne des vidéos sur ma chaîne YouTube, merci à toi. Ouais. Trop gentil. Ouais, ferme la porte, dégage. Eh, moi tu vas me parler autrement, je te le dis tout de suite. Ouais, t'as compris? Je suis pas ton pote, moi. Bah si, t'es mon pote. Non, t'es pas mon pote, non. Tu me tutoies, je te tutoie, on est des potes. Ouais, exactement, est-ce que je t'ai dit de dégager moi une seule fois dans cette dans mes phrases? Je crois pas. Exactement. Ouais, c'est bien. Allez, dégage. Exactement. On va se revoir. T'inquiète pas. Quoi? Qu'est-ce que t'allais dire, là? Dégage, juste. Qu'est-ce que t'as? Ah, ça va être marrant, ça. Allez. Attention. Fais pas ton businessman, toi. Oui, c'est ça. Allez, avance.
Ah c'est bon, on en a fini là. Non, non, monsieur, vous rentrez à l'intérieur, dépêchez-vous. Ah, on a fini là, c'est bon. Je sais pas ce qui me retient à toi en fait. Je sais pas ce qui me retient, je sais pas ce qui est en train de me retenir en fait. Bah retiens-toi pas, lâche-toi, vas-y. Ah, exactement, ah, bah, t'as raison. Exactement. Exactement. Allez, vous allez me le foutre à la benne celui-là. Attendez, 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 on nous appelle là-bas. Oh là là, rappelez-vous. Il nous a appelé là-bas. Jusqu'à maintenant, je vais tuer quelqu'un. Ouais. La lecture de vos enfants, c'est pas trop tôt, c'est 2 heures après. De qui lui? Une personne qu'on a réussi à réanimer au niveau du fret. Et lui là-bas, c'est qui? C'est un autre ça, aussi là-bas. Attends, excusez-moi, je t'entends. Lui là-bas, c'est pareil, non? Il a été chopé là-bas aussi, non? Sûrement. Ouais. Bon. Bah, tu vous faites le dossier, les gars? C'est un scorpion? Ah bah voilà. Eh bah tu valides. Ok, bah c'est parti. Non, non, c'est valide. Bah c'est les deux en fait. Ah c'est les deux? Ah oui, c'est les scorpions les deux. Ouais, ouais, les deux. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis pas scorpion moi. Bah ouais, fiston, c'est bon, on a des indices, t'inquiète. Bah ouais, c'est scorpion tous les deux, c'est bon. J'aimerais bien savoir. Ouais, confirmé. Ouais. Confirmé, confirmé. Bah d'où vous avez confirmé? Y'a pas de preuves quoi, enfin je sais pas. Bah arrête avec tes preuves. Oh là là. Après, scorpion, c'est qui ça déjà? 500 000 pourquoi? Après vos collègues. Oui, bah oui. Non, mais les mecs. Mais pas de scorpion, mais c'est pas rebelle. Port d'armes, détention stupéfiant, équipement illégal, association de malfaiteurs. C'est bon? Ouais. Non, non, on fatigue tous. Ça, vraiment pas. Pourquoi il y a 500 000 demeure? Tentative de meurtre. Alors là, appelez vos collègues. À aucun moment, quand ils m'ont dit les mains sur la tête, j'étais à côté de mon camion, j'ai mis les 500 000 les mains sur la tête, monsieur. J'ai pas, à aucun moment j'ai senti mon arme, à aucun moment j'ai été agressif avec les forces. Je pense que t'étais le plus intelligent de la zone en fait. Jamais, jamais, à aucun moment j'ai senti l'arme devant un mec, bon. À aucun moment j'ai tué qui que ce soit. Que ce soit bah ouais. Rebelle, bandit. Mais ouais, mais fiston, t'étais avec eux. Ouais, mais je dis pas le contraire, monsieur. Et comme t'étais avec eux, bah qui tu ramasses quand même. Qui me suit, mais je dis pas le contraire, monsieur, je suis un grand garçon. Mais s'il vous plaît, ne dites pas que je suis un tueur de flics ou quoi que ce soit. Bah tu fais partie du groupe qui tue des flics, donc peut-être, tu es un tueur de flics. Peut-être, mais moi je le suis pas. Voilà, mais tu fais partie du groupe. Bah si tu veux. Et pourquoi petit nom? Et vous, c'est quoi votre nom, monsieur? Rachel quoi? Non, ah là, tu peux pas me saluer, toi. Ouais, 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 c'est ça. Ah merde, tu peux pas. C'est quoi? Enchanté, monsieur Marshall. Je suis avec la tête, tu vois. Quoi? Je t'entends pas à travers la vitre. Attends, je vais rentrer. Transmission de pensée. Et du coup, monsieur, les marshals vont vous recontacter. Tu disais quoi? Avec la pensée, je peux te saluer. Avec la pensée. T'étais trop fort, toi, t'es voodoo, quoi. Je suis un magnétiseur, moi. Ah ouais, bah magnétise-toi déjà. Monsieur. Je suis en avion il y a 4 jours et du coup, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, on va voir comment ça va. Tu me mets encore? Oui, c'est ceux qui s'occupent de la prison. Ça, voilà, c'est ceux qui s'occupent de la peine de prison. Oui. Et du coup, pour chaque délit, est aussi donné un nombre de lignes à la prison. I love you. Bah allez, m'en vais, on va partir en couille. Bonne nuit à tous, bonne nuit, voyons. On va partir. Info? Yeah. Info sur les tirs? Aucune info. Ah d'accord, bah, c'est mes oreilles. T'as entendu quelque chose, Maxime? Ouais, ouais. Bah regarde hein là. Ouais, hein? Là. Ah, là-bas. Ça tire. Ça me vise. C'est les deux mecs là, les deux gogoles de terre. Ouais, ça chasse. Ça chasse le nérisson. Ok, c'est des chasseurs de nérisson, pas de temps. Bon allez, c'est parti. Bon ben voilà les gars, mais voilà tout le monde. Allez, la soirée est finie. Bon perso, j'ai tué 8 keufs sur cette tempête. Eh ben félicitations. Donc voilà, bonne soirée à vous. Merci d'avoir été présent comme d'habitude. Vous avez été super nombreux. Merci Team Ronze, merci Azurion. Ah, je t'ai oublié toi. Mais c'est merci Réel, merci Affinity Gugu d'avoir gifter des abonnements comme Nec, merci à vous deux, merci Coco d'avoir tippé 5 euros, merci Zekos, merci encore Nec pour ces 8 abonnements offerts.
Merci Ryan, encore pour tes dons, merci Nabil aussi. Merci à tous, ça me fait super plaisir que vous soyez nombreux, de plus en plus nombreux chaque soir. Voilà, n'oubliez pas de partager Springfellow TV, n'oubliez pas de follow pour ceux qui n'ont pas follow, faites comme les autres, rejoignez-nous dans la communauté. Je vous donne rendez-vous demain, 20h minuit, comme d'habitude, sur LF, pour un début de semaine, un nouvel début de semaine. Merci encore à tous les donateurs, merci encore à tous les abonnés. Bonne soirée à vous, soyez prudents, bonne reprise pour ceux qui reprennent demain, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, et je vous dis bonne nuit, à demain, bye bye, ciao ciao.